chosen by the living God to be his hand of vengeance. It's his will, but it is not mine. There are whispers of a Hebrew with great strength. You find me the secret of his power. Night alive. He has the strength of a god. I saw it with my own eyes. He is not a god! My name is Samson, and you will face the wrath of God. I made the song in 2 minutes using my MIDI pack. So I wrote the lyrics and melody, had a vocalist sing it, and now I'm gonna produce the track. Step one, get a phenomenal chord progression. I go into the pack here, look at the chord progression guide, scroll down to the top 20, and the first one is perfect. A minor, F, C, G, it's emotional and touching, and it'll fit well with this vocal. I'm gonna go into the arps folder here, A minor, F, C, G, and drag and drop, we'll do this one right here, number one, and let's listen to how this sounds. Lost my faith in you, you found me. I should've walked away, hidden path for me, I found it. And this sounds already fantastic, and the reasons why is because I actually recorded all of this MIDI right here on a grand piano, so it's high quality. When you put it on a virtual piano, it's gonna sound real, it's not gonna sound digital. I'm gonna flesh this entirely out, and now it's time to add some more instruments to our production. Let's add a guitar, we'll go into beautiful chord progressions, A minor, F, C, G, and we'll drag this one in right here, and let's start playing and hearing how this sounds. I'm gonna add another chord progression to our. Permettez-moi de faire un petit Zuzu parce que ça fait longtemps que bah entré dans Zuzu, quitté Zuzu mieux d'écouter. Eh bien, aujourd'hui, je vais me permettre ce luxe. Je vais zuzuter un peu ouais, pour traiter le sujet que bah l'abordé aujourd'hui. On va zuzuter. Je vais faire appel au zuzutisme pour guider mon esprit autour du sujet que je vais traiter ce matin. Je pense vouloir remercier, bien entendu, tous ceux et celles qui ont contribué, bien entendu, à la réalisation de ce projet. Et j'estime volontiers que, compte tenu du fait que nous sommes à un moment de notre vie collective où nous devons faire appel à notre sens de responsabilité, pour pouvoir, bien entendu, sortir du chaos dans lequel le pays est plongé depuis quelque temps. Ceci étant dit, je vais me permettre, et je vais me donner ce luxe de pouvoir m'exprimer à travers une langue que j'estime, à mes yeux, n'est pas compatible à la réalité haïtienne. Ceci étant dit, compte tenu de ma formation et des conditions essentielles à l'élévation de mon esprit au niveau des zodiaques des cieux, j'estime volontiers à ce niveau de faire appel à mon intelligence et d'écarter toute espèce de naïveté pour pouvoir acquérir mon savoir au milieu même des esprits incrédules et rebelles qui se pensent pouvoir exercer une quelconque influence sur l'esprit du peuple haïtien. À cet égard-là, je vais faire appel à tous ceux et celles qui, d'une certaine manière, ont été imbibés dans un savoir que je pourrais qualifier de colonisé. Et à ce niveau-là, je vais faire en sorte que, à tous ceux et celles qui se sont revêtus de costumes de Zuzu, de bien vouloir venir, je les invite à s'asseoir un peu, car nous allons échanger, nous allons dialoguer, nous allons pas tourner autour du pot. Je veux être clair avec vous.
pour ceux qui se croient maîtres de la pensée, ou bien qui ont l'apanage de la pensée collective haïtienne. D'ailleurs, comme disait Paul, je ne veux pas être comme de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais je veux être volontiers parmi ceux et celles qui estiment qu'aujourd'hui, notre pays est aujourd'hui confronté à une situation où il est en train de faire appel à tous ceux et celles, tous ses enfants, ses fils, en dehors comme au-dedans du pays, du territoire national, pour venir à son secours et à son aide. Bien entendu, je peux faire du zizi. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je suis plongé dans le zizitisme, hein, pour porter un certain démenti à tous ceux et celles qui se croient maîtres et détenteurs de sciences infuses ou qui veulent faire de la culture haïtienne les panages. Hein? Ben non. Écoutez, arrêtons un peu. Le beau salisme comme idéologie, comme vision et conception conçue de façon permanente pour pouvoir éveiller et aiguiser l'esprit de ceux et celles qui se trouvent dans l'autre au-dehors de Port-au-Prince, de la capitale. Ça, c'est une description territoriale pour inscrire l'esprit bossalisme dans une certaine perspective citoyenne. Ceci étant dit que cette vision n'est pas celle de ceux-là, ou de ceux ou celles qui se croient maîtres et détenteurs de toute connaissance à l'intérieur même de ce petit pays. Mais non, nous autres, nous sommes dans une autre perspective, dans une autre vision, dans une autre conception. Nous sommes dans une dynamique qui consiste à mettre en évidence, en valeur, tout ce que nous avons dans le en dehors, les beaux sales, ce qu'on appelle les beaux sales, les gros orteils, les nègres, les petits nègres, les grands, les moyens. Mais je vous aime tous. Ne vous inquiétez pas et ne vous bercez pas d'illusions. Je ne suis pas de la première génération ni de la dernière non plus. Je suis de ceux-là qui ont pris du temps pour s'imprégner de la culture française, pour saisir les sous-bases même de cette culture et arriver à percer le mystère caché derrière l'esprit français qui pendant 2 siècles ont perpétré leur influence sur la culture haïtienne. En pile de nous qui pensaient que parler français c'est zizi, non. Il y a le français des rues. C'est le français qu'on parle couramment au quotidien. Il y a le français des ghettos, le français des bidonvilles, le français, c'est le verlin. Mais il y a le français soutenu, enseigné dans les universités françaises, le français des élites. C'est un français un petit peu compliqué, mais il fait appel au bon sens, à la raison pour pouvoir saisir les nuances cachées derrière l'usage de ce langage. C'est un peu technique. Et cela ne disconvient pas que, à un moment donné, le zizitisme n'est pas l'apanage de quelques petits individus, quelques aliénés, hein, en Haïti. N'est pas l'apanage, non. Pour être honnête avec vous, c'est l'affaire de tous ceux et celles qui ont été exposés à la culture française, qui ont eu l'opportunité, la chance d'intégrer, de fréquenter des universités, des institutions françaises. Ouais. Mais arrêtez avec cette connerie, cette bêtise, cette ineptie, pensant pouvoir faire appel à une quelconque langue française pour pouvoir intimider, impressionner les gens. Sachant que, bien entendu, 90% de la population haïtienne ne savent ni lire ni écrire le français. Mais ne disconvient pas. 100% des Haïtiens parlent le créole. Mais dans c'est quoi le problème? Est-ce vraiment un problème de... Non, c'est un problème d'aliénation. Il faut être clair là-dessus. On est un peuple soumis au niveau de l'esprit. On n'a pas notre autonomie d'esprit. On ne peut pas penser de par nous-mêmes. C'est une manière d'approcher la réalité haïtienne, typiquement haïtienne. C'est simple. On n'a pas à sortir de là. Au Canada, on ne doit pas d'accord. D'accord.
Gade façon de faire, me faire un cycle de bagage, c'est moi de plaisir. Parce que quand il y a nous, peut-être qu'il va comprendre la portée, le bien fondé et la portée de bataille qu'on va mener. Et c'est une raison peut-être que, qui fait que nous vivons dans une situation aujourd'hui, on ne va pas prendre qui pointe. Il y a qui toujours dit, oh mon chef, faut qu'on soit sage, oh mettre la haute sage. Non. Sage. Maintenant, il faut savoir ce qu'est la sagesse. Il faut saisir, bien entendu, la profondeur de la pensée sophiste. Pour bien cerner ce qu'est la sagesse. Il ne faut pas arrêter, s'asseoir sur un banc d'école, et puis pensant pouvoir, bien entendu, saisir les rouillages, les nuances cachées dans un esprit de sagesse. Non. Il faut arrêter avec cette ineptie. Personne ne détient l'apanage du savoir. Le savoir est très, très élastique. Au contraire, confronté au temps dans le dynamisme temporel, le savoir est devenu problématique. Même dans le dynamisme spatial, le savoir est devenu problématique dans la mesure où tout savoir ou toute connaissance est situé. C'est une façon de dire ou une manière d'approcher la problématique du savoir. Oui, c'est une dimension, ça a une dimension épistémologique, mais le savoir n'est pas seulement un problème épistémologique. On peut entrer dans une dynamique de gnoséologie qui nous permet, bien entendu, de cerner une autre dimension dans le savoir. Yeah. Maintenant, plus mes beaux salles là, je me sens mieux dans le beau salisme. Épouser cet état d'esprit, je me sens bien. Le mbo sal bien à l'aise. Je me sens bien dans la paume. Le plus reflété à l'ancienneté. Le mbo sal bien à l'aise avec Kriol là. Je m'entre plus dans le bobot. Le bobot nous avec Kriol là. Kriol là bien à l'aise, le pigou. Je me sens bien comme si, je m'a l'aise, je m'a dit poêle, je m'a l'aise, je m'a dit zozo, coco, crèque, langue. Je me sens mieux. Je me sens à l'aise, je me sens moi-même. Mais pour si Zizi Bouddha Krab, Bouddha Serré, qui toujours pensait que français, c'est ça qui fait au monde, nous non, achetons un côté. C'est de si Zizi Bouddha Krab, deux boules graines serrées, fait caca dans le fil du monde. Vous pensez que c'est parler français qui fait qu'on est. Non, parler français pas parler de qu'on est, mais c'est l'idiot. Lorsqu'on confronte avec un groupe monde, une population à 80% qui va qu'on lit, pas qu'on écrit, qui n'a jamais été exposé à une forme de connaissance quelconque. Hein, on va parler de connaissance formelle, on va parler de connaissance académique. C'est normal pour vivre et pour vivre mon d'or pour prendre français à comme connaissance, pour associer français à connaissance, et puis ou bien pour faire rendre français à devenu synonyme de connaissance. Parce que ou bénéficier d'un espace, ou jouit de l'espace côté que ou paraît comme malgré son aliéné. Hein, malgré son aliéné, ou jeune 80% de monde qui pas vraiment bien imbu, pas jamais exposé avec une connaissance académique, pas jamais exposé à connaissance formelle, moun sa yo pour vous dire. Vous passez vous dire. Et c'est ça qui fait le pays, ça, là. C'est ça qui fait la pays fondrer. Parce que nous prenons des amateurs, nous prenons, bah, non, petit secret. Maître de l'article. Y'a fait un bail qu'on croit. Maître de l'article. En français. Maître 3 lettres ouvertes. En français. Bon, on est boulé. M'adresse une lettre ouverte à Aristide. Pas de monde qui a, et pas n'importe monde qui a compris, j'aime dire. Moi, on a un journaliste à babier, pas qu'on m'a, y'a un mal propre qui comprend, ça me dit. Ça m'écrit. C'est normal. Bah, c'est dans une grande école pour ça. Si m'a les plumes, m'a décrit. Pas parce que m'a l'écrit, même, j'aurais écrit un article, Bouddha Chiré. Bouddha Chiré dans les nouvelles. Non, non. Écoutez, gain niveau, ça m'écrit.
Son esprit capable de recevoir l'autre esprit. Dans un langage particulier. Comme vous pouvez comprendre. Comme vous pouvez comprendre. Vous pouvez pas comprendre. Qu'on a une folie, ou trouve nos situations embarrassantes, parce qu'on n'a pas qu'à cerner le mystère caché dans l'esprit. Qu'on y a m'écrit, de façon pas qu'à comprendre. Qu'on a bien dit, oui, pour me rendre beaucoup plus souple. Non. Je ne rends beaucoup plus souple. Je ne qui est ce madrid, c'est l'être là. L'être ouverte là. C'est normal. Je ne façon pour me rendre des paroles, l'esprit. Pensez-moi. Je prépare pour ça, je forme pour ça. Je m'éduque pour ça. Je instruis pour ça. Je méthodologie pour ça. Maintenant, si vous ne pouvez pas cerner ça, je ne suis pas responsable. Parce que les gens qui pensent parce qu'on parle français, ou dit des mots français, veulent dire qu'on parle, ou comprendre français. Non, ça va, c'est moi. Gon façon qu'à ou des français, ou pas même comprendre ça, mais qu'il y a. Gen niveau dans l'écriture. Gen niveau dans l'écriture. Ou estomaqué, ça, gros estomaqué. Ça, gros estomaqué. Ou pas maîtriser une langue qui va vous. Ok? Moi, imbibé, moi, premier de nos milieux français. Côté qui gagne des intellectuels les plus éminents, les plus chevronnés, des maîtres à penser. Hein? Qu'on y a, ou même, vous pensez que nos petits pays sous-développés, Bouddha Chiré, bah, même maîtriser notions élémentaires, yo. Et puis, qu'on y a pensé au cabine entrer, nos dynamiques pour cerner l'esprit, comme moi, je vais. D'ailleurs, faut qu'on s'en l'esprit d'abord. Avant d'arriver, c'est même. Ouais, moi, j'en l'esprit. Bon, d'ailleurs, il fallait que vous t'ayez initié à la pensée. Maintenant, vous n'avez jamais été initié à la pensée. Oui, c'est une démarche. C'est une démarche pour initier à la pensée. Faut vous prendre, vous mettre au chita pour initier à la pensée. Maintenant, pour vous initier à la pensée, il faut savoir d'abord maîtriser deux outils majeurs. Premier outil que vous devez maîtriser, c'est la langue. Il faut bien maîtriser la langue. C'est pour ça que vous mettez des facultés de lettres. Nous mettons des facultés de lettres et de sciences humaines. Pour quelle raison? Parce qu'il faut bien maîtriser l'homme. Et de notre côté, il faut, c'est le logos. C'est ce qu'on appelle la raison. Il y a deux raisons. Il y a la raison formelle. Bah, ça, on m'a besoin de venir entrer là-dedans. On m'a fait pour nous. Bah, vous lisez, monter dans un siècle antiquité grecque pour me venir avec l'avènement de la raison. Elle a dit une généalogie de la raison. Le mot où j'étais là, sous cas une généalogie de la raison en tant que faculté commune à chaque être humain. Oui, on approche universaliste. Mais parce que me pose un problème ontologique. Parce que si on dit la raison comme faculté, ah oui. C'est la métaphysique rationnelle. Me poser raison comme être. Qui ont existence indépendamment de complexité et de multiplicité individus qui existent dans le monde. Oui. Si vous pas jamais exposé à la philosophie de la complexité, vous pas comprendre ça me dit l'autre. Parce que la notion de multitude et de multiplicité, les problématiques. Parce qu'au niveau transcendantal, c'est toujours l'unité, c'est la recherche, c'est la quête de l'unité. Quand l'unicité, les fondamentales, dans toute pensée abstraite, pour saisir la réalité dans sa complexité. Oui, c'est le cheminement de la pensée conceptuelle. Ou alors, vous comprenez ce que je veux dire. Et vous voulez jouer. L'aime parler. Je pense que vous avez monté ce samedi. Non, pas capable. Vous avez monté ce samedi. Et c'est tout le problème de ça. Pas capable.
m'a parlé pour me parler. Maîtriser ça qu'on me dit. Maîtriser. Me cerner un sujet, ni en amont, ni en aval. Avant, on m'aborde un sujet, mais c'est cerner ni en amont, ni en aval. M'a parlé bagaille, m'a maîtrisé. Et c'est un problème que nous avons étudié philosophie en Haïti. Nous avons les têtes nos philosophes, nous n'avons pas maîtrisé rien. Et tout n'est qu'à prendre ou l'ipsou de nous qui avons les têtes nos intellectuels, n'est là entrer dans l'école normale ou bien entrer dans l'école, dans les facultés des droits et sciences économiques, les sortir avec un bagage, les doux, les avocats, les droits. Comment on voulait? Maintenant, on va étudier le droit. Mais on ne peut jamais poser le droit haïtien comme problématique, comme problème. Bien sûr, le droit haïtien est problématique. Parce que pour dire le droit, c'est ça que vous parlez d'énect, édicté. Pour dire le droit, pour édicter le droit. C'est normal, faut connaître sa droit. Il faut poser le droit comme problème, son problème philosophique. Oui, faut poser le comme problème. Maintenant, fallait-il, est-ce qu'on peut parler d'une rupture de droit haïtien indépendamment du droit romain? Si notre système juridique nous, est-ce qu'elle est inséparable de droit romain? C'est-à-dire que même notre système juridique est aliéné. Il n'y a pas d'autonomie. L'esprit juridique haïtien n'y a pas d'autonomie. On a parlé de droit civil. Droit civil, nous, on est calqué. Hein? Les prisonniers du droit romain. Droit constitutionnel, nous, les prisonniers du droit constitutionnel français. On n'a pas dit bleu façon plus large, droit public, nous. Toute institution que vous avez mis en place, c'est l'Occident qui modèle le banon. C'est le modèle occidental que nous avons imposé en dehors. De toute façon, institution, droit, tout ça n'a fait. Notre manière, langue nous. Elle a dit, au niveau de l'esprit, on est prisonnier de l'Occident au niveau de l'esprit. Ah, ouais, il y a un problème, à propos, ou fâché, son bon fâché. Les mieux éloignés, nous fâchés, son bon fâché. Parce que même savoir que on va dispenser, même savoir qu'on expose avec là, on va frapper l'estomac à vol, ou pas même rendre compte que c'est son savoir colonisé. Savoir, ça a été construit quelque part. On va prendre pause scientifique. Nous toujours utilisons des mots pour impressionner le peuple là. Au objectif. Ils sont dans l'esclave mental que nous y est. Nous pas lui admettre que nous sommes esclaves mentales. Depuis son esclave qui pas conscient que l'esclave sont dangereux pour tête lui. Côté l'esprit de créativité. Depuis esclave on va créer, non? Voilà. Parce que sous créer, faut gagner appropriation. Parce que celui qui crée, les gens droit d'auteur, ils jouent de privilèges parce que ils créent. Les gens droit d'auteur, bon va créer, sont parasites quoi. Sont parasites quoi. Toutes sortes grandes de la caillou, c'est bagarre ou voler la caillou ou bien ou imposer. Potentialité créatrice qu'on gagne la caillou par exemple faire usage de lui. Tellement vicieux, tellement c'est affaire mon aimé, tellement c'est crasse blanc aimé. Et vous proposez un problème à blanc, pas qu'un problème avec blanc. Maintenant, toute la vie sociale, économique, politique, culturelle, chef façonné par l'Occident. Et puis qu'on nous propose un problème. C'est le comportement parasitaire, le comportement vicieux, le comportement reste avec, tchoul, et puis qu'on nous comprend ou qu'on mette en question l'Occident. Comment on va faire remédier l'Occident? On va jongler pour qui ça qui sélectif pour prendre. On pas de problème à États-Unis, comme si États-Unis ou des problèmes à l'États-Unis. États-Unis, c'est l'Occident. C'est celle où résumer l'Occident à l'États-Unis. Non! Leadership,
Occident, non, mais aux États-Unis. Mon baka, et pas parce qu'on a un problème avec l'Occident. Mais on pourrait dire l'impérialisme américain. C'est l'Américain qui vient avec l'impérialisme, qui a un comportement impérialiste. Le néo-colonialisme, c'est l'Américain. On va poser problème, mais où user? On va poser problème, où user? Parce qu'on choisit ça qui va où. Tout ça fait, c'est volant volé. Tout ça fait, c'est important important. Tout ça fait, même au niveau des institutions. Institutions, c'est volant volé. Son modèle occidental. C'est-à-dire, même au niveau de l'esprit, ou pas même nous compte sur aliéné, sur esclave au niveau mental. Et puis, ou que problème à l'Amérique? Comment fait que problème à l'Amérique? Comment faire un problème américain et ou quitter la France d'air, ou quitter le Canada d'air, ou quitter l'église catholique d'air? Dit, c'est un problème qui pose. Mais c'est un gros problème. Parce que ou pose un problème, normal, ou pas qu'à poser un problème d'acculturation, un problème d'aliénation, un problème de colonisation mentale, pour seulement ou target américain. Parce que tous les dérives, toutes dérives, vous êtes là, qu'a fait dans des pays, t'as dit nous bien pour nous pour parler avec nous bien, pour nous comprendre. Lors de l'histoire d'Haïti, ou pas qu'à retirer l'histoire d'Haïti de rapport que l'on a avec l'Occident, non? Si nous, on est la tête, nous avons traité l'histoire d'Haïti. Faut nous définir Haïti par rapport à l'Occident, oui. Maintenant, pour définir par Haïti par rapport à l'Occident, faut nous dire qui c'est Haïti et qui c'est le pays. Comment vous pouvez définir un rapport avec un bagaille? Pendant ce temps, même bagaille ou bataille là, contre lui, on voulait sembler avec. Chaque jour, il y a un problème avec blanc, et on voulait sembler à blanc. Ou un problème contradictoire. Ou son contradiction pour propre tête. Et m'a expliqué nos problèmes, non, bien, parce que, écoutez, ce que je suis en train de faire, là, je suis en train de faire une psychanalyse. Oui, ma fond psychanalyse d'Haïti, de, une psychanalyse collective. M'a montré, nous, ça, c'est le comportement infantile des Haïtiens. Confronté, ils ont confronté avec une crise. Parce que t'as des problèmes qui pas résolus. Il y a des problèmes qui étaient à l'état latent, qui ne pourront jamais résoudre. Je m'a dit à la peut-être qu'à dépasser l'entendement quelques-uns. On va aller faire grandir à l'angle de l'école. Vous comprenez ce que je dis là. De jour en jour, les élèves, c'est son n'importe qui chute à des chaises là. Des villages là. Et vous voulez nous arriver? Haïtien Diolbo qui est toujours aimé garder mon son apparence. Géon qui te couru, vient monter sous un bourrique. Hein? Géon qui te toujours vient chita monter sous un bourrique. Il pense que c'est ce qu'est, sous qu'est petit vacabon, parce que le temps de me dire bon, bon, zozo, coco, les couru, vient monter en bourrique. Nous connaissons. Me piéger calambéa, et puis le couru, vient monter en bourrique. Et puis me lever l'autre tête, moi, et puis me casser un debout. Me fin casser un mal propre, t'as qu'on y a le fâché avec nous. C'est bon, fâché. C'est où tu viens monter en bourrique? Ou vin mouton en bourrique, ou même gon tête, ou vin mouton en bourrique. Yo fouye deux, trois, mal propre dans tête, ou quoi, mais maîtrisé. Et vous comprenez, ou pas vin moutre sous moun qui maîtrise ça, ou connaît. Qu'on y a le fâché, li mauvais. Qu'on y a le fâché ou mauvais, qu'on y a le fâché le mauvais. L'en y a le fâché le mauvais, la vin propose, c'est là. Oh oui, haïtien toujours. Qu'on y a le folie à le bagage. On dit, on peut te connaître. De vous casser bec en haïtien, la vie de mouté sous un bourrique ou lever l'outé, qu'on y a l'envie à l'envie à faire, à faire diable, on dit à faire diable ou à nous. T'es dans la rime,
Oh, propose grand connaisseur. Oui, fucking grand connaisseur, salope. Comparativement à vous-même, comparé à vous-même, oui, fucking grand connaisseur. M'vou aller boum d'un côté, pour pas jamais monter sous mon bourrique. L'on pas qu'on aussi, j'en pas maîtriser ni à mon, ni à avali, à l'fout de chita moun d'or, pour apprendre maîtriser un bagage, salope. Première, la première chose à faire, ou chita ou apprendre. Ou interroger. Ensuite. L'on fait interroger, ensuite. Qu'on y a fait des recherches pour répondre avec question problématique. Et ça, on fait méthode ou pas gagner salope. Qu'on a vu une proposition fâchée ou à l'un diable salope. Parce que je ne peux pas faire ni petit cacao, ni petit diable, je marie tout dans tête. Parce que quand on a dit là, pour dire là, il faut tout, faut bon dans tout domaine. Faut mystique, faut mystique dans tout bobot. Ça, ici, si on a ici qu'on a bagaille à 50%, faut mettre chou même ou qu'on est à 100%. Ah oui? Parce que ici, on sont mauvais, bêtes. Yo dit que Calambert, yo dit que le mal. En Haïti, l'éducation est synonyme d'aliénation. Dans tout pays sérieux, qui honnête à tête, à travers l'éducation, on transmet des valeurs qui compatibles avec modèle de société ou gain ou besoin. Mais il va en Haïti. En Haïti, on dans l'école, un, discriminatoire, qui a pas imprégné de pratiques discriminatoires, cap comparé ti moun, cap prend ti moun, ok, de jeunes esprits, yo expose ti moun sa ou avec discrimination, yo stigmatise ti moun sa ou par rapport avec origine sociale yo, comprenez? Par rapport avec origine sociale yo, appartenance sociale yo, yo victime, et puis yo prend ti moun sa, yo stigmatise l'un dans l'école là, et puis yo aliéné, c'est ça, processus d'aliénation, c'est comme ça le fait, yo stigmatise d'abord, pour le faire raïter tout. C'est ça, mécanisme. Comment vous voulez pour un pays, pour l'État de nos pays, pour l'éducation de nos nations, une éducation qui la vous forme des citoyens honnêtes, respectables de nos sociétés, pour la gueule, non, mais, yon dal paix, massissi, Calambert, qui sorti en France, et puis la gueule. Même la France, pour la gueule, éducation, non, mais paix, caca. L'école en France est républicaine. C'est l'affaire de l'État. C'est la guerre de l'État. Et vous prenez l'éducation là, non, avec concordat des gonaïves, ou quittez éléments, comme le président Joel Bokeh, la guerre d'éducation dans Bobot. Sans que nous ne pas réfléchir une seconde. Qui objectif, qui ça visé, l'éducation qui ça visé. Ça pour nous apprendre, l'éducation est faite d'interdit aussi. L'on parle de l'éducation, éducation là pour le bail d'éducation. C'est à travers l'éducation, que vous inculquez les interdits aux enfants. Mais le problème, problématique là, c'est pas le fait que vous inculquez des interdits à l'enfant, non? Dès le plus jeune âge, non? Parce que, pour que, c'est le rôle intégrateur des interdits qui est important. Faut bien qu'on ait un rôle interdit, yo, pour faciliter l'intégration de l'enfant, des stades préparatifs pour être capable d'intégrer la société pour devenir un bon citoyen. Maintenant, le problème qui se pose, journée aujourd'hui, on a frappé l'estomac, non, insécurité, gang, en des noms pays. Mais là, bon, l'école, qui a formé l'élite au détriment de Moumas, une élite aliénée, qui pense pas les Français, les dire qu'on est. Et puis, on a fait le zizi dans Figimoun. Maintenant, considérez, masse là, ça parle à l'école, là, qu'on court pas à moun. Maintenant, comment vous voulez, ça parle à l'école là, intégrer société là? Parce que quand je parle de société, je vais parler de, non, il va ça va parler. Je vais parler de société côté les ressources économiques, sociales, ressources en termes culture distribuées. Les distribuées, et, attendez, société, c'est côté ressources, c'est le concept de société en termes de représentation, c'est la concentration des ressources entre les mains d'une minorité. Avec un seul but, perpétuer domination sur reste masse là. C'est ça, objectif là. Société pas besoin. Société besoin. Corps.
Maintenant, ou bâti la plus responsable sur lui. Comme si il n'y a pas une responsabilité collective. Ou bâti 400 maraisons responsables sur lui pour contre lui. Maintenant, ou pas, je me dis une responsabilité collective puisque la société en tant que système l'y échoué. S'il a pris, l'y échoué. Mais c'est ça, on a vu dire, oh oui, puis go fait excuse pour yo. Non. On va excuser le banditisme. Mais banditisme pas soutenantiel. Le banditisme, c'est une production sociale. Banditisme pas soutenantiel. Quoi parler de iso gang, comme si l'ancien l'iso dit. C'est qu'on a un problème dans l'analyse d'un phénomène. C'est qu'on pas analyser un phénomène, ni en amont, ni en avant, pour comprendre généalogie, pour retracer. Maintenant, lorsque, quel est le rôle des institutions? C'est pour faciliter résolution de conflits dans la société, ou pour maintenir la paix. C'est ça? Ou institution, c'est pour s'organiser institution, oui. Pour diminuer les violences, pour permettre à ce que le monde ne résoudre problème par la force. C'est ça, on met des institutions. Maintenant, là, vous avez des institutions qui ont pas la maladie. Institutions, ce sont des institutions importées. Ou pas comprendre mieux. Ou qui folie. Ou est l'autre a fait, l'autre pays a fait, ou qui folie fait tout. Ou pas même comme comment pour maîtriser institutions. Parce que toute vice l'homme gagne. Faut qu'on bonne anthropologie de l'homme, oui. Faut bien maîtriser l'état de nature, oui, pour comprendre le rôle et la place des institutions en dedans société. Faut bien maîtriser ça l'homme, non, oui. L'éducation échouée dans la mesure où éducation pas préparé citoyen, hein? Pas préparé mounan pour devenir tout nos bons citoyens. Parce qu'à un moment donné, il y a la responsabilité individuelle, mais aussi il y a la responsabilité collective. Maintenant, relation entre deux responsabilités, ça, hein? C'est ça qui est important. Il faut trouver un équilibre. Faut retrouver un équilibre. Ou pas qu'à stigmatiser au monde, pédé à dire mon nom, ou responsable, et tel. Non! Ou à faire moral, mon nom, oh oui, ou pas bon, ou pas ceci, c'est gangouillé, c'est votre, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'avons-nous fait? Là, le problème doit être posé, au niveau collectif, qu'avons-nous fait? Nous échouons aux générations. Et puis qu'on y a, nous offrons aux gangs, nous offrons aux criminalités, comme moyen pour yon résoudre, pour yon répondre à un série de besoins, et puis qu'on y a vini dit, oh oui, yon c'est gang. A vini dit, oh kidnap. What the fuck you talking about? Qui soit respect? Dès qu'ils sont saisis là même. N'est-ce qu'à parler de gouvernance? Pour parler de gouvernance, faut mettre trois institutions, oui. Faut qu'il y ait des institutions solides pour parler de gouvernance. C'est institution solide ou établie d'abord, oui. Pour parler de gouvernance. Et pas une chita la folie, à l'élection fait caca, choisi vacabon, mettez dans le parlement, mettez dans notre tête ministère, et puis nous pensez qu'on va nous résultats. Nous foutons fou. Nous foutons fou. Dans mon dame, on a un résultat. Et fait un marché des vacabons, là. Et fait un marché des André Michel, un marché des Matéli, un marché des vacabons, parce que nous ne connaissons pas l'institution. Bonne salope. Nous connaissons individu, nous connaissons moun. Nous connaissons dans le vol, dans figu moun. Et ça, oui, son pays t'est chargé. Mais nous, là, comment se poser vrai problème avec eux, après une proposition d'estomac, qui n'a dit l'estomac qui a ça, là, après une proposition de problème avec, oh oui, mais c'est dit trop bêtise. Cacha, on va bien en bêtise, et puis, ou paix, ou paix, coco. Des bons sociétés ont échoué, mon. La morale, t'aimes d'autres bagailles. Y'en a pas qu'à pouvoir apprendre à comprendre. Eh, la problème, non, oui. Non, formation, non, moi, qui fait. Formation, non, moi, qui fait. Eh, ouais. Ça va étonner. Mais ouais, pour l'instant, la difficile pour nous comprendre, ça m'a dit, là. Ce n'est que le commencement de la douleur. Parce que tout autant qu'on groupe mafia, t'as moulé peuple à la farine. Jouer sous peuple là. Nous pouvons comprendre rien qui parle de là. Donc, on qui demande, c'est quoi le peuple? Ma bonne définition que, Michel Onfray Baye. Le peuple, ce sont ceux et celles sur qui le pouvoir est exercé.
Maintenant, vous étonné. Police pas fait face à gang, ou étonné que Ariel, non Ariel cité, dans question assassinat, et puis qu'on y a où est le premier ministre. Parce qui ça qui est tout là? Qui ça qui est tout? This is the point, qui ça qui est tout nous? Qu'on y a ça va l'étonner tout il a appelé vice président? Qu'on y a pas dit tout il a appelé gang? At least, au moins, ou qu'on dit la pite gang, ou pas mal voter. Sous bien bon sens, ou toujours. Mais qui ça qui est possible en Haïti? Là, Haïti, c'est un laboratoire. Haïti, c'est un laboratoire. C'est l'offre. Et en Haïti, on fait toute expérience, on expérimente toute bagaille en Haïti. Oui, on a dit la prime président ou panique, il s'en vient. Il faut pas négliger là. Si la, si la prime président, on va le fâcher, qui problème, voilà. On va même proposer au pays, au pays. Ah, il s'est toujours proposé au saisi. Eh, problème dans ça. Ah, il s'est toujours proposé au saisi. Ou préparer caca, ou préparer catastrophe, ou 50 ans de cela, et puis qu'on tombe dans catastrophe, là, au saisi. What the fuck is wrong with your guys? Qui sont expect? Ou craser l'armée, qui sont expect? Ou craser l'armée, ou sortir dans dictature, si on va passer dans transition pour tomber dans démocratie. Ou pour un peuple qui sortit directement dans dictature. Dictature n'a pas préparé le peuple pour éduquer, pour éclairer le peuple là. Peuple a manqué éducation. Yon peuple analphabète sorti dans dictature. Quand t'es gagné opportunité pour t'es apprendre qu'on lit à t'écrit. Ok? Quand yon pas appris, pendant dictature, yon pas apprendre peuple à lire à t'écrit. Quand yon vingt gon masse peuple qui analphabète. Et pour montrer peuple ça, ou potel bourrel, sans une transition guidée, sans une transition dure, pour permettre, ou préparer peuple là pour fouer la démocratie, et pour laguer la démocratie, qui sont espèces, et pas chimel va gangané. Et pas chimel va gangané. Et pas chimel gang li va bay. Et puis nous saisis. Ça qu'a réalisé là, ça qu'a fait dans le pays d'Haïti là, li gon généalogie, li gon histoire. Et mon bagage qui sont dans le ciel, non? Il va sortir dans le ciel? On leur classe l'institution de dans le pays, ils sont respect. Nous ne connaissons pas l'importance de l'institution. Pour entrer dans le pays, on crase l'armée. Pour entrer dans le pays, on fucking crase l'armée. Pendant ce temps, sous crase l'armée en tant qu'institution régalienne, voilà justice où on est dans le pays, ça fait, oui. Pour faire un travail comme ça, faut justice la solide, oui. Faut institution judiciaire solide. Avec la police solide. Pour remplir fonction. Ou pas qu'à craser l'armée et pour venir avec la police intérimaire. Et pas même philosophie. En matière de sécurité, et pas même philosophie. Ou suppose entrer dans un mécanisme de transition. Faut qu'on transition qui fait. Bon travail préparatif qui suppose faire. Bon travail de transition. L'armée suppose entrer dans dynamique de transition. Et l'armée est supposée à préparer, si monsieur et la police, oui. Bien préparé, oui. Pour assurer la transition vers la démocratie. Ou pour un groupe, ou pour, qu'on a saisi, nous étonner, nous donner des militaires américains, militaires canadiens, et militaires dominicains pour aller en vaille. Son nation t'est chargée, oui. Et puis après, les vivent dans la rue, bon calambe. Relève vive Aristide, relève vive Préval, relève vive Lavalas, relève vive PHTK, chaque jour dans la rue, mal propre dans la rue, bambou nan diolio, guette maman yo, y'a après les vives, y'a après les abats, abat Mateli, abat Aristide, abat PHTK, vive PHTK, comment guette maman nous? Nous pouvons dans l'imbécile. Nous mettons dedans, nous mettons dans tête en l'état pour faire caca. Et puis qu'on y a nos pays, nous marcher, au pays, nous va le développer. Comment on va le développer?
pays va développer. Bon, tant que nous réfléchissons. Yon est rentré, il paye un peuple avec un avec bagage, avec un bagage coopératif. Il paye un peuple avec un bagage coopératif. Il traumatise le peuple. Yon la groupe voilà monté dans l'État. Yon pillé. Yon peuple avec l'argent Petro-Caribé. T'as même bizarre m'a dit, parce que pour dans le salon. Yon premier groupe mort de fort que voilà. Yon cassé coup peuple là avec un coopérative. Yon deuxième groupe mafia. Cassé coup peuple là avec l'argent Petro-Caribé. Yon troisième groupe gang assassin, cassé coup peuple là avec l'argent, c'est l'IRH là. Et puis qu'on y a là, trois gros l'argent, ajouté avec l'argent, et de la 50 ans, il y a eu mafia. Trois gros l'argent qui passent en dedans. Sans pas mettre international Jolbo qui est, comme le prêté dans mes banques mondiales, on va mettre bagage ou non. M'pa mette communauté internationale, j'ol senti, qui tout a fait 4 ans de dans le pays, on a le corrompu, qui relè tête de communauté internationale, senti que ça ou pas utile pays, ou merde, calombe ça ou, m'a kon ça ou utile dans le pays, j'ol bok, qui est toujours en mission, senti kaka y a dans le pays, qui va y avoir un résultat, tellement boule l'argent de dans le pays, guette maman yo, hein, mal propre ça ou, dans l'ONG, senti kaka, envahi yon pays, hein, chita, justifié, boule l'argent américain dans le pays, roule machine officielle, roule machine, vini sous nos ONG dans le pays, on paye chargé misère là, bourré ONG, bourré fondation. Parce que vous crasez institution pays là. On est dans le pays. On est dans le pays là. Vous fuck up l'État. Vous crasez institution dans le pays là. C'est normal pour nous gang ou vous crasez l'armée qui sont des experts. C'est normal ou crasez l'État qui sont des experts. C'est ONG qui vous venez jouer l'État pour vous qui sont experts. C'est fondation qui vous vient jouer l'État ou vous craser l'État. Quand y a nous des problèmes, dis que nous en bas pont. Get maman nous. N'après les villes, n'après les abats, boule caoutchouc, matin midi soir, et jusqu'à ce que nous arrivions dans le point, nous assassinons le président sous pouvoir dans notre pays. Quand y a nous plein à gauche, nous avons plein à droite. Mais ils ont entraîné nos pays, ils ont privatisé depuis ces institutions en pays. Qui ça nous respecte? Nous craser Assyrie, nous craser ciment d'Haïti, nous craser toute entreprise de l'État, nous fuck up yo. Nous craser Téléco, nous laguer peuple dans Digicel, nous craser depuis ces bagailles. Institutions, l'État te gagne. Nous privatiser depuis ces malpropretés. On est dans le pays, tellement nous vicieux, tellement nous chiens. Et puis, quand il y a des problèmes, dit que le peuple là, a un bâton, n'a vu une propose, nous concerner. Mais qui ça nous concerne, à bonne calme. La boule, nous minoterie d'Haïti, ciment d'Haïti. C'est un méchant. Hein? C'est un méchant. Hein? Nous ne pouvons pas même vous. Et nous ne pouvons pas fuck. Nous ne pouvons pas. Comme si nous pensions que c'est Konya. Nous pensions que c'est Konya. Nous n'en pas pour arriver là. Nous préparer exil au peuple. Nous préparer exode au peuple. Nous détruire toute institution de nos pays.
nous craser un pays. Et puis qu'on y a nous propose, nous saisit pour humiliation, blanc, bay haïtien. Mais nous méchants! Nous avons crasé l'institution pour ces domaines. Mais c'est peut-être nous petit bagaille. Nous avons vendu ces domaines pays. Nous avons crasé tout bagaille dedans. Nous avons crasé l'armée. Nous avons vendu ces domaines. Zam, l'armée, oui, l'armée d'Haïti, oui. Hélicoptère, avion, l'armée d'Haïti. Artillerie, l'armée d'Haïti. Zam, chat, l'armée d'Haïti. Mais yo vendent ces domaines, yo vendent l'armée dominicaine. Yo crasé l'armée d'Haïti, yo vendent. Toutes âmes l'État ici t'es acheté pour l'armée d'Haïti. Mais yo crasé l'armée bio, yo prend toutes âmes, yo vendent les dominicains. Yo crasé sucrerie d'Haïti et puis y'a importé sucrerie. N'ayons crasé Simon d'Haïti, y'a pas porté Simon Saint-Domingue. Guys, n'ayons crasé, y'a fait Haïti pas compétitif, oui. Son gros complot nous prend là. Son pays qui prend un complot tête chargée. Son groupe. Que nous ça m'a dit moi même pas dans malin caca avec vaca bon même vous ça m'a dit là son groupe milati au libanais qui m'a récord l'ombritio avec milati avec un groupe milati au libanais en république dominicaine qui font Haïti qui fait complot ça dans mon Haïti nous vous allez chez papa nous là. Son groupe nèg dans secteur économique le milati au libanais avec un groupe nèg ces domaines qui mettent tête ensemble yo décidé pour fuck up marché économique pays d'Haïti au détriment pour propulser et ces domaines nous on a déjà pas banou là. Gede bagay, m'ta di nou la, n'a pas se jouet. Nous pensons que ça qui a privé en Haïti a son hasard lié. Non. Pas grand rien qui fait en Haïti qui est hasard. Pas grand rien en Haïti qui est le fruit du hasard. Tout bagay qui passe en Haïti, li planifié. Réfléchi, planifié. Dernier classe net planifié. Yo, Haïti son pays que communauté internationale là, avec l'élite économique, Haïti et Saint-Domingue là, target. Yo, target Haïti. Yo target ti groupe nèg noir tête green ça yo target pays d'Haïti. Haïti son pays qui ciblé son pays yo target pour yo destroy un projet de destruction massive lent mais sûr d'Haïti. Et pas sérieux m'a banou là qui va les jouer. C'est un projet de destruction lent mais sûr du peuple haïtien. Pas de menti dans ça m'a bola là. Calculer, réfléchir. Bien planifié. Maintenant, mes côtés au pied chaud. Yo joué sous plusieurs bagailles. Un, yo joué sous le fait que 90% peuple là pas qu'on lit pas qu'on écrit. Je connais, peuple haïtien va qu'on lit, va qu'on écrit, 90%. Premier facteur n'est que considéré.
Deuxième facteur que vous considérez, vous connaissez un groupe nèg, nous les élites en dedans pays, élite intellectuelle, ça t'a supposé prendre décision éclairée pour le peuple. Vous connaissez son groupe aliéné lié, vous façonné à l'image de l'Occident. Et bien, je vais faire ma bolle là. T'aimerais dire ça en dire encore pour nous comprendre. Et, premier bagage, vous identifiez, vous connaissez 90% de peuple là. Sort, il va qu'on lit, il va qu'on écrit, il va écrire. Zéro va ouvrir. Son groupe, yo ouais, 90% de peuple là comme sauvage. Yo considère yo comme bou, comme sauvage, comme moun qui va qu'on lit, comme bête. Yo valait n'importe bagage. Mais tant petit groupe nèg qui soit disant qu'à l'école, qui qu'on lit, qui éclaire, nous, les élites intellectuelles là. Occident, papa, yo, pour nous, réseau, papa, nèg ça. Parce que nèg ça, yo, ce sont des aliénés. Tout kakon y a vomi en dedans pays ya a diolio, c'est l'Occident fouel nan brenyo. L'Occident pa pè kaka la. Parce que yo formé à l'image de l'Occident. Ta y deuxième catégorie, facteur yo considéré. Troisième facteur yo considéré, c'est ça nous relè bourgeois milaxi au Libanéa. Bourgeois milaxi au Libanéa, c'est allié naturel. L'Occident, l'aime dit l'Occident, l'Union Européenne et anglo-saxonne. Pays anglo-saxonne, donc les États-Unis, l'Angleterre et le Canada, l'Australie. Quand je dis les pays anglo-saxonnes, je fais référence, bien entendu, avec l'Angleterre, les États-Unis, le Canada et, bien entendu, l'Australie, Nouvelle-Zélande, tout pays. L'aime dit l'Union Européenne, je fais référence aux pays de l'Union Européenne. Ma parlé l'Europe du Nord, l'Europe de l'Ouest. La France, l'Allemagne, Belgique, et l'Italie, l'Espagne, m'a parlé des 24 pays qui font partie de l'Union Européenne. Ça, l'ensemble, le mettons ensemble, l'ensemble, pays ça, yo, ce sont des pays dominés par le blanc. Ce sont des pays caucasiens. Faut comprendre la réalité, ça. Yo, gon réalité, et civilisationnelle, la caillo, yo, gon culture, yo gon manière de faire, manière de penser, yo gen des institutions qui créent à image yo pour yo transmettre, véhiculer valeur yo. C'est ça en gros qui forme l'Occident. Mais sou pas comprendre bien. Yo gon problème direct avec ti nèg doit être green yo rele Haïti ya. Mais allié naturel yo en dedans pays d'Haïti. C'est les mulats et les syro-libanais. C'est allié naturel, yo. C'est comme une adou l'Occident qui s'y a elle en Haïti. Si a elle l'Occident en Haïti, c'est mulats syro-libanais. Pas gémenti la donne. Mulats, yo, pour l'Europe, syro-libanais, yo, pour les États-Unis et l'Angleterre. Pas gémenti la donne. C'est une réalité. Et c'est ça, tu es pourtant de aujourd'hui, Haïti, gué pauvreté, Haïti dans l'enfer, c'est toujours t'y nègre à tête green. Y'a fait référence. C'est pas Milati au Libanais, non? Il faut faire le constat. Faut faire constat. Combien Milati au Libanais t'es en bas pour moi? Zéro. Parce que, t'aimes dis-nous bien, c'est données statistiques ou pas qu'à prendre pour mettre à l'écart. Non! Ou pas qu'à prendre données ça pour mettre à l'écart. Comment se fait-il? À chaque fois qu'on catastrophe naturelle qui passe dans le pays d'Haïti, à chaque fois qu'on problème économique qui pose, à chaque fois qu'on problème social qui pose, c'est toujours le nègre qui est confronté à la réalité, ça. Toujours le nègre. Maintenant, faut qu'il y ait le courage pour réfléchir à problème, ça. Ou pas qu'à parler de problème en bas pour pas soulever problème ethnique là qui vient en bas pour. Mais qu'on problème quelque part. Ou pas qu'à parler au oui, haïtien en bas pour. Non, fuck it. C'est pas la réalité seulement haïtien qui est en bas pour. That's bullshit. C'est de vous dire c'est haïtien qui est en bas pour. Ou à jouer à l'esprit moun. Notion et les nations haïtiennes, non. C'est une réalité abstraite liée. C'est une réalité juridique liée. Mais regarde mon yon bas pont, hein, une réalité concrète qui devant. Réalité concrète qui devant, c'est que tout le monde qui est en bas pont, 100% de monde qui est en bas pont, c'est nèg noir, tête grignoué. Mais devant prendre ça en considération, il faut
poser le vrai problème. Comment se fait-il à Gomila pour Siro Liban en bas pour une réalité en dedans pays d'Haïti qui reflétait phénomène ça, qui traduit phénomène ça. Une réalité, une explication scientifique. Pour tête c'est une nègre, tête grine seulement qui en bas pour une explication pour ça. Et explication scientifique. Comme si on Liban ou en police. Comme si on Liban ou en gang. Combien mille si on Libanais que ouais en gang, en police ou bien combien mille si on Liban attendait qui en prison. Qui vole en poule. Combien mille si on Liban attendait qui vole en grenzé. Combien mille quand en Libanais ou attendait yo arrêté. Parce qu'elle vole en moto. Une réalité en est dans le pays qu'on est capable d'expliquer scientifiquement. Pour qui raison? Let me tell you something. Les Abdi Haïti, c'est le pays le plus pauvre. Les L'Occident Abdi Haïti est le pays le plus pauvre. Il ne va pas parler avec Milati au Libanais, non? C'est un petit tête grenou, il a parlé. Tandis Haïti est le pays le plus beau. C'est Haïti avec. Parce que les mulats, les Syro Libanais, pas, je me considère comme haïtien authentique, non? Ah oui! Ah, il va me dire ce problème, ça, ni mulats, ni aussi au Libanais, les Syro Libanais, ils connaissent les pays, qui c'est la Syrie, Liban et Égypte. Là, ils connaissent les pays, attachement à Haïti, si son bagage superficiel lié. Et à faire ou même la parole, on va dire oui, si mais si au Libanais a tourné dans le pays, il connaît ces immigrants. De même aussi Haïtien aux États-Unis. Ou pas peut-être ou parce que Haïtien, ou pense au même genre avec Africain-Américain, non? Non, réalité Africain-Américain, pas même avant. Ou, c'est ça que ou même si nèg doit être grand qui dans Caraïbes, blanc qui vient aux États-Unis. Ou pas porter jugement contre comportement, ou pas juger un Africain-Américain. Raison qui ne va pas juger un comportement africain, mais ou même ou qui est contre aller. Depuis ou pas là avec un passeport haïtien dans le monde. Depuis ou pas là avec un passeport jamaïcain dans le coco. Depuis ou pas là avec un bout de terre ou kakou yala dedans. Mais africain américain qui côté doit aller. Nous avons une pour décider pour le battre avec le système. Nan. Et c'est là que nous là, oui. Là où on est, nous avons green qui sont dans le Caraïbe, venu aux États-Unis, à venir proposer ceci. C'est parasite, nous parasite. C'est parasite, nous parasite. Nous venons bénéficier bataille. Martin Luther King, nous venons bénéficier bataille. Et Monsieur Sarou. Et Malcolm X. T'as fait pour groupe. C'est ça que l'organe où tu n'es pas green. Qui c'est africain-américain. Faut respecter lui dans la bataille à mener au quotidien. Il faut respecter. Comme si Poutine est de green, pas qu'à organiser. Poutine doit être green, pas qu'à organiser. Il faut fermer les frontières aux Haïtiens. Il faut fermer les frontières aux Haïtiens. C'est si tirant. Immigration, ça qui cause Haïtien par les batailles pour résoudre le problème de la vie. Yo gen espoir, yo pral Saint-Domingue. Yo gen espoir, yo pral en France. Yo gen espoir, yo pral en Amérique latine. Yo gen espoir, yo pral États-Unis. C'est ça fait, yo pral les camper bataille. Bah, dis-nous, petit bagaille.
vrais bénéficiaires des haïtiens qui ont quitté, des exodes, ouais, qui ont fait tinèque, qui ont fait dans le pays d'Haïti. C'est mille là-dessus au Libanais, oui, qui bénéficient de lui. Ils bénéficient de deux façons. Première façon, ils bénéficient des exodes tinèque, qui ont fait dans le pays, c'est que, ils pas menacés. Un, politiquement parlant, parce que deux mois tinèque, qui ont quitté le pays, deux mois, li bon pour eux, parce que y a moins de nègres noirs dans le pays, qui pour pas un problème. Ils même aidé. Deuxième raison qui fait eux bénéficier, depuis que nèg ma tête grande quitte pays a, li connaît les familles derrière, li prend travail pour voyer dollars américains vini. Qui est-ce qui contrôle l'économie en dedans pays qui pour ramasser dollars américains, c'est Milati au Libanais. Donc c'est que qui est-ce qui bénéficie des exodes, si nèg ma tête grande sibi en dedans pays d'Haïti, qui est-ce qui planifie exode ça? Qui est-ce qui planifie exode ça? Exil forcé ça, planifier exil douce ça au Haïti, tu n'es pas d'être dedans. Qui est-ce qui fait? Qui est-ce qui planifie? Yo voyons un travail. T'as coup bête, un point humiliation. T'as coup bête. C'est ça, c'est une perception. Yo regarde où? Et c'est ça que fait l'homme m'a parlé. On a l'imbécile qui va même chita sur bon l'école comprenant rien. En rien, caca va comprendre rien maintenant tête yo. Les va poser la problématique anthropologique du nègre haïtien, yo va comprendre chier. C'est une perception yo gagne de ou même qui fait très tôt comme ça. Gagne plan où on moun mette pour ou pour le détruire la vous, c'est parce que le percevoir une façon. Ça va soulever à là. Nous qui doit pas comprendre rien ça va dire là. Maintenant, si anthropologie ou pas bon. Sous pas une bonne anthropologie qui pour valoriser ou la guerre anthropologie ou non mais blanc ou la guerre anthropologie ou non mais milat ou la guerre anthropologie ou non mais si ou di baron kaka parce que sous des résoudre problème Haïti seulement à travers concept juridique et les nations ou kaka ben jusqu'à maintenant nous pas résoudre nous pas définir concept nation non. Parce que si vous campez ou dit première république noire, si vous dites première république noire, si vous risliez, parce que vous ne pouvez pas parler de première république noire, et puis vous ne pouvez pas manger bien en dedans le pays à Yoba noir, non? C'est un risliez. Quand vous avez vu l'histoire, frappez coco au moment où. Ouvrez l'estomac, crack le guet, ou dit c'est première république noire. Pendant ce temps, ou va manger dans la république là? C'est ou même qui a passé misère? C'est ou même qui a coué? C'est ou même qui a quitté pour y quitter exil? C'est ou même qui a perdu pays et vous avez dit première république noire? Ou pas, ils sont illusionniers? C'est pour nous commencer à dire, c'est République Milati au Libanais. Ou pas qu'à dire c'est République Noire. C'est pour dire République Siwo Milati au Libanais. Parce que c'est yo qui a joué dans le pays. C'est yo qui a joué dans la République, on va jouer de lui. Faut nous clair, oui. Parce que là, le problème, non, si nous pas. Ouais, problème, non. Si au niveau de la représentation, au niveau de la pensée, au niveau mental, nous pas résoudre problème, ça. Nous pas clair à concept, là. Frapper l'estomac au Premier République, that's bullshit. Et c'est à travers question Premier République, ça, qui vient nous donner reconnaissance. Y'a la guerre, nous, d'un coup. Non! Pas qu'une question Premier République noire. Pas qu'une République des nègres. Parce que si nous t'aiguons République des nègres, automatiquement, c'est pour petit nègre noir tête grenne, t'es joué en dedans, en dedans république, là. Et pour petit nègre noir tête grenne, t'es à l'aise, là-dedans. Vive bien. T'as comme on l'a donné. Pas de république d'un nègre. Tout ces bullshit, y'a foué dans tête, ou caca poule, y'a mette dans l'espoir. Y'a une république qui favorable pour Milati au Libanais, c'est la république des Milati des Siro Libanais. C'est eux qui a poulé.
C'est eux qui possèdent des terres en dedans pays. C'est eux qui possèdent des richesses pays. C'est la République Lyoé. Quoi, vous dites, République Noire, non, qui ça fucking République Noire. Pour tout noir, courir quitter un pays, pour miser. Pour tout noir, courir quitter un pays, après humiliation, l'autre côté droit, du première République Noire. Bon, qu'on a guette, maman, nous. Non, qui ça la première République Noire? Non, qui ça la première République Noire? Ou pas, si c'est première République Noire liée, comment faire noir? Comment faire noir pas gagne droit pour vivre bien dans le pays? Ou dit le première république? Pour fier la première république noire, faut bien vivre là-dedans. Faut bien manger là-dedans. Ou dit le première république noire, et puis c'est milat, c'est étranger qui a bien soucié là-dedans. Et pour avoir dit première république noire. Donc il n'a pas compris ça veut dire. Te mettez-le de façon, t'es pour exemple plus clair pour vous. C'est pour. Et comme sur la caille, ou qui madame ou qui petit tout. Ou du la caille ou Mario qui caille. Ou du Mario qui caille. Ou qui caille ou marié. Ou qui froid ou soit disant qui froid. Et puis qui est-ce qui a mangé? Bon manger dans le cas là, c'est un étranger qui vient la caille. Un monde qui vient la caille ou qui a bien mangé. Ou même ou qui a mangé bien. Il y a maintenant. Moun a mangé du riz à poule, ou même m'a mangé ma moulin dans propre la caillou. N'est-ce qu'il y a couillé madame ou, même m'a gagné. N'a allé dans la caillou. Et vous, avez dit, ou marié, ou gagné madame. Quand est-ce que vous avez dit, comment vous avez gagné madame, non? Comment vous avez gagné madame? Moun cap couillé madame ou, soit étranger. Moun cap crevé moun dans madame ou, soit étranger. Moun ka bien manger en dedans sous table à manger ou même c'est reste manger moun étranger manger pour vinn dougué madame ou petit ou rigue ou gen fraye konn guette maman ou pa on merde salope ou sont esclaves dans propre la caillou sont esclaves ou en dedans la caillou pour nèg la arrivé. Koye madame ou. Pour ne l'arrive, mange diri et puis le foutou, le foutou maï moune pour manger. Faut le mari ou. Faut le foutou nan kod. Posez tête question. Comment faire la caillou ou mettre caillou et puis on n'a pas koye madame ou nan figu ou pas dire rien. Yon n'a pas manger diri à poule ou pas dire rien et puis bleu à baou, maï moune pour manger. Posez tête question. Qui ça explique ça? Et parce qu'on enchaîne. Et bah, faut enchaîne. C'est soit yo maro physiquement. Yo foutou non chambre, yo prisonnier. Yo maro physiquement, yo met chaîne nan, pi yo met chaîne nan mou. Et pour ap gade nèg la kap pointe madame ou. Ou ap gade nèg la kap manje, mou bon manje, pi a foutou manje, parce que yo gen chaîne nan pi yo. Ou bien, yo pa mette ni chaîne nan pi yo, ni chaîne nan mou, yo foutou chaîne nan tête ou. Dans l'esprit. Ça veut dire. Chaîne nan l'esprit, ça veut dire. Ou pas de problème pour nèg la koye madame. Au contraire, ou trouvez ces gros causés. Li faut, c'est plaisir faire. L'elle pète coco madame, c'est plaisir faire. Ou bien, ou tellement à l'aise. Ou t'sais, tu sais, ou fier que vous, pour nèg la manger 10 riz sous table à ou à poule, et puis ou même calambe, ou à manger blé. Ou trouvez son fierté. C'est chaîne ça, ou mettre dans tête, oui. Yo va mettre chaîne dans mais on a pio. Je mets ton chaîne dans tête tout côté que vous trouvez que nèg là c'est normal pour nèg là con et madame ou dans figure. Vous trouvez c'est normal pour nèg là manger diri à poule et puis vous manger caca en dedans là. C'est chaîne ça vous fouille dans brain oui. Salon. C'est chaîne ça relé. C'est chaîne ça relé aliénation. Oui. C'est chaîne ça relé colonisation mentale là. Oui. C'est lié à la colonisation mentale là. Parce que sa colonisation mentale la faut. Il faut accepter l'inacceptable. Dans le monde entier, il y a un bagage qui est inadmissible, inacceptable, c'est lui-même accepter comme acceptable. C'est sa colonisation mentale la faut. Le pire dans tout ça, mais sa colonisation mentale la faut encore pire.
Li faut. Après, nèg la fin koye madame ou, li faut remercier. Nèg la koye madame ou nan figi ou. Colonisation mentale faut remercier nèg la du fait qu'il crève mou da madame ou. Nèg la manje diri a poule ou manje caca ou même. Et puis, ou fin manje caca nèg la manje diri a poule là. Et puis, ou même, mais colonisation mentale là, li faut remercier nèg la du fait qu'il manje diri a poule là. Et puis, vous demandez, nèg là, encore, est-ce qu'on trouve diri à tes bien goût? Ou demandez, nèg là, diri à tes goût? Ou est-ce qu'on te remène? Li fin koye madame. Li chita le manger. Et puis, ou même, dans la colonisation mentale, ça le faut, ou demandez, est-ce que diri à tes goût? Pendant ce temps, quand on mange blé ou à manger? Quand on mange? C'est ça la réalité. C'est ça les colonisations mentales là. Yo retiré humanité la caillou. Yo volé humanité. Yo démonisé. Yo réduit à un objet. Et comme ça yoté et comme ça oui yoté fort dans colonisation dans colonisation. Mais laisse ça yoté fait par an, yoté fait ancêtre ou par la force. C'est force yoté force c'est ancêtre ou fait lui. Au compte ça t'avait dit, yoté compte marre ancêtre ou et puis y a coin madame ancêtre. Alors, grand-parents, nous-mêmes, les autres esclaves, ils ont fait même pratique là. Mais les autres pratique ça, eux-mêmes, ils ont marré les nègres là, ils ont marré les pieds, ils ont marré les mains, et puis ils ont quitté le camp pour la regarder comme la coin, y'a coin madame. Y'a grosse madame, y'a coin madame, dans figuil. Et ça, qu'on l'a fait, grand-parents, pour craser mental, li, pour craser moral, li. C'est traumatisme. Yo traumatisé Maria. Nèg la vin rive non point, li pa konn comment pou le di la madame nan. Te depuis les oui, nèg noir en Haïti pa konn comment pou yo di la madame yo. Parce que gon problème nou pou ko résoudre. Si canalise ça pou ko fait, nou pou ko résoudre problème traumatisme colonisation. Nou pou ko sorti la dame. Nou pa gen psychologue pou nou t'aider nous transmettre. C'est quelle colonisation ça a envers petit nous? Nous parlons comment pour nous dire à madame nous? Nous parlons comment pour nous dire à la femme noire? C'est quoi ça au fond? L'autre est esclave de maison. Madame non. Colonisateur, avec colon, yo chita sous table, ou fait manger, poule, diri, pois, bon manger, pote bayo, ou pas qu'à manger la dame. Ou fait bon manger, mette sous table pour colon. Yo boit bon divin, mais, ou même qui fait, ou même qui prépare, fruit travail, ou pas qu'à manger. Et puis, ou même, yo boit farine maï pour manger. Ou même qui prépare, diri, ou même qui prépare vraiment, ou mettez le sous table pour colon manger. Et depuis là, ça a préparé mentalement. Hein? C'est ça t'explique jour et jour. Hein? Nous trouvons normal pour Milati au Libanais. Chita pour y a bien manger dans le pays d'Haïti. Et puis ou même ou pas manger. Vous trouvez le normal. C'est l'aliénation. C'est l'esclavage mental. Si nous pas un traitement, si pas une thérapie, écoutez, si pas une thérapie qui fait, une thérapie collective, pour nous résoudre le problème ça, nous caca. Nous caca. Quand j'ai dit, écoutez bien, quand j'ai dit thérapie collective, nous allons me dire, nous faisons référence avec l'inconscient collectif.
Ça, ça veut dire. T'es m'expliquer nous ça, ça veut dire. Il y a des traitements ouais, bah non, je ne dis pas ça. Bah fait. Bah fait. Est-ce que nous permettons, moi, une dispensation en cousso? Si nous d'accord que nous dispensons en cousso l'inconscient, est-ce que nous d'accord, nous faisons cousso pour nous? Dans un moment, ça, là. Parce que, je veux être en agrément avec vous. Je veux être en accord avec vous. Je veux dispenser en savoir. Je veux dispenser en connaissance dans le vide. Si, nous voulons dispenser dans le moment où je parle là, là, pour introduire nous à un concept, à une notion que nous avons l'inconscient, dans la théorie freudienne. Nous n'avons rien fait pour nous. Mais pour me faire, je viens à con. Il y a une raison qui fait demander à con. Parce que l'inconscient psychique, l'important pour nous comprendre, dimension collective de l'inconscient psychique haïtien. Voyez, premier bagage pour nous apprendre qu'on est, pas plus nous accueillons. Premier bagage pour nous apprendre qu'on est. Là, parler de identité, là, dit je suis, premier bagage pour apprendre qu'on est. Ou qu'a dit nous sommes. Tendez bien. Là, dit je suis. Son approche individualiste, c'est le sujet. Mais pas oublier, ou qu'a dit nous sommes. C'est le sujet collectif. Vous comprenez bien ça, on dit. Mais ou qu'a dit je, ou qu'a dit nous. Maintenant, là, lorsqu'on a soulevé la problématique du sujet, faut prendre ni dans la dimension individuelle, ni dans la dimension collective. Parce que même si on dit je suis, ou qu'on dit nous sommes. C'est-à-dire, si on dit je suis, c'est le verbe être opposé à un problème ontologique au niveau individuel. Dans la pensée individualisme qui caractérisait l'Occident. Mais n'oublie pas, il y a la pensée collective, cette ontologie. Ou qu'à poser au niveau collectif. Il y a une ontologie collective. Alors, écoutez bien, je suis, m'a fait un mélange de philosophie et de psychanalyse. Faites attention à ce que je vais faire là, parce que les mandés en pile dynamique pour comprendre. Maintenant, avec l'avènement de la raison, tout d'abord, pour écrire, pour clarté, souci de clarté. Il y a trois notions où qu'on est. Trois notions pour bien maîtriser. Je vais aider nous comprendre. Première notion, vous supposez, cherchez bien comprendre, c'est notion ça où il est Dieu. Pour aborder la problématique du sujet. La Bible me dit nous sujet à droit collectif, sujet à droit individuel. Maintenant, pour aborder la problématique du sujet, il y a trois grosses notions que supposez bien maîtriser. Parce que ce sont des cadres, des repères, des cadres référentiels. Trois grosses notions que supposez maîtriser. Première notion supposée bien maîtriser, c'est notion, ça aurait les dieux, le concept de Dieu. Ou qui doit parler de Dieu, ou qui doit parler de divinité. Maintenant, il fait référence au supernaturel.
Il fait référence à un au-delà. Il fait référence à une transcendance. Ou doit comme ça. Ou doit bien maîtriser. Que ce soit dans diversité, culture. Gagne une notion qui fait référence à ça. Dieu. Que tout est suprême, que l'existe. Dans toute culture, il a. Parce que le problème qui pose à l'existence humaine, ou toujours fait référence à elle. Ou qu'a choisi miel, la négation. La négation de Dieu, de notion, ça n'implique pas, ne remet pas en cause son existence. Et deux bagages complètement différents. Le fait qu'on nie l'existence de Dieu par les dits, il va exister. Parce qu'on n'a pas qu'à prouver qu'il va exister. Ou qu'à remettre en question le fait qu'on a avancé qu'il existait. Mais on n'a pas qu'à prouver, démontrer qu'il va exister. Il est impossible. Ontolo ou pas capable. Calion trop gros. Moko calion. M'pap m'en calion pour aujourd'hui, là. Bien sûr que calion, c'était contemporain. C'est contemporain et Freud. Mais m'pap m'en calion, région, wow. Il faut me finir bien faire maîtriser Freud pour me venir sur Calion. Avant même moi de sur Calion, faut me passer par Dost et Dostoïevski avant. Faut m'entraîner philosophie russe avant de me sur Calion. La philosophie russe n'est pas non. Avant m'aborder des problèmes Calion. Bien sûr, les consciences collectives. C'est ça, tu m'as parlé de ça, avant d'entrer dans Calion. Parce que l'inconscient collectif, il est important pour me comprendre la dynamique, ça. Parce que Calion lui-même, il a abordé la problématique. Dieu, l'inconscient, aborde le concept freudien, il prend une dimension beaucoup plus large que cette dimension collective, là. Il fait un rappel, rapproche interculturelle pour montrer cette universalité de une série de bagailles qu'on trouve dans chaque culture. C'est gogozé. Ça, c'est une autre bagaille. C'est un bagaille comme Calion. Beaucoup plus spécifique. Deuxième notion où doit maîtriser. Bien. C'est la raison. Dieu d'abord, question de religion. La problématique, tout problème où est-ce de religion, en religion en tant que fait culturel, il fait référence avec un au-delà. Il fait référence à une certaine au-delà qui permet toujours une explication, un sens avec problème que l'homme va résoudre. That's it. Mais qu'on l'a concept. L'homme n'a voulait échapper avec question surnaturelle là. Il courait à le cacher derrière l'autre concept qui aurait la raison. La raison. Et la raison en lui-même, il va l'essayer. Mais l'homme ne va laisser courir le sujet. Va essayer courir cacher derrière la raison pour le capable de remettre en question. Le supernaturel Dieu. Maintenant, le pire de tout ça, c'est que raison, hein, les vignes problématiques, ontologiquement parlant, parce que vous attribuez à l'homme, à l'individu, mais une dimension métaphysique, c'est la métaphysique rationnelle. C'est l'être en tant qu'être. Maintenant, où est l'homme une tombée, non dynamique, phénoménologique. Et on prend nos dynamiques. Martin Heidegger, ou une tombée dans Heidegger, ou une tombée dans. Là, sont leurs problèmes. Nous pouvons arriver là. Maintenant, au troisième concept, qui vit une bataille avec concept raison, qui c'est l'inconscient. Nous disons trois. Premier, c'est Dieu. Deuxième, non. C'est la raison. Troisième, non. C'est l'inconscient. Tous les trois concepts, ça y est. Ils jouent un rôle déterminant pour expliquer, pour capable expliquer le comportement humain. Ouais, question ontologie, c'est gogozé. Ouais, question. Et ethnologie, c'est gogozé. Pour qu'on s'appelle l'anthropologie.
T'aimes bien ça m'a dit. Trois gros concepts ça yo, yo en conflit. Permanent. Et c'est tout, c'est à travers trois complexes ça yo que la conscience confrontée avec toute difficulté que l'a confrontée dans le monde. La conscience humaine. Faites attention, ça me dit là. Tout problème le monde a traversé. La conscience humaine confrontée avec conflit qui existait en trois notions, ça. Dieu, guerre de religion, fanatisme religieux, oui, Dieu, hein? Toutes des psychanalyses. La raison, la pensée grecque, la philosophie, l'existentialisme, limite de la raison. L'inconscient, désir, besoin, satisfait, refoulé, mémoire, oublié, crise, état mental, trouble mental, crime, assassinat, irresponsabilité, irrationalité. Toutes ces, tous les trois bagages, on va bataille pour un seul bagage. Tous les trois notions, ça y est, à bataille pour un seul bagage. Le contrôle du sujet. Car le sujet, c'est à travers le sujet que yo agit. Dieu agit à travers le sujet. La raison agit à travers le sujet. Et l'inconscient agit à travers le sujet. Maintenant, quand je dis le comportement, je parle de pensée, action et parole. La raison cherche à détrôner Dieu au niveau du sujet. La raison remet en question Dieu. Maintenant, il faut comprendre que dans l'Antiquité, alright, était dominé par la pensée religieuse. L'Antiquité était dominée par la pensée religieuse. C'est la théologie, c'était la divinité, c'était la religion qui t'a dominé. Le monde antique, c'était le règne de Dieu jusqu'à l'avènement de la raison. Dans le monde grec, qui vient nous remettre en question le trône de Dieu, qui vient questionner Dieu, qui est sous trône. Maintenant, j'ai essayé à travers des investigations, des d'autres méthodes pour essayer d'expliquer les phénomènes à travers la raison. Ça n'a pas besoin de Dieu. La raison vient détrôner Dieu. C'est le règne du monde séculier. C'est la temporalité. C'est le monde temporel qui a gouverné. Maintenant, vous mettez Dieu de côté. Dieu n'est plus maître dans sa propre création. Vous foutez Dieu à l'écart. Maintenant, c'est la raison, la philosophie grecque, la raison, la modernité, le siècle des Lumières, la raison, l'avènement de la... Oui, la pensée. Oui, l'homme non libre, il y a la raison, si on est libre, la conscience, la moralité, tout et tout. Prenez ça. Ah, oui, c'est bien. Jusqu'à ce que Guillaume Madafoque, il y aurait les Sigmund Freud. Sigmund Freud va découvrir un concept, il y aurait les inconscients suffisants. Alors, il est vrai que pour introduire mon à la pensée, la théorie Freud, c'est des petits bagages pour comprendre, parce que toute théorie Freud avance, il y a un rapport, bien entendu, avec l'expérience que monsieur fait. Monsieur, c'est ton étudiant. Ok? Maintenant, monsieur t'avais étudié à Nancy. Et puis, monsieur t'as l'étudié pour le devenir, ça aurait été une sorte de néopsychiatre. Ok, Freud. Maintenant, à l'époque, monsieur t'avait étudié, il y a une technique, une méthode thérapeutique que qu'on utilisait pour traiter une série de maladies mentales. Il utilisait, je dis, ah oui, par exemple, je qu'on utilisait une technique, ça, qui était relée, qui aurait relé, et hypnose. Vous voyez? L'hypnose,
son méthode thérapeutique qui a été utilisée pour traiter un problème mental. Monsieur Pral assisté avec une séance de thérapeutique côté que mon petit dame relé Anna. Faut comprendre bagage ça yo. Une petite dame qui relé Anna. Anna en quelque sorte t'es souffri yon maladie, ok? So, et faut comprendre bien, game de passé. Et pour comprendre pour quelle raison monsieur vini avec bagay ça. Anna souffre une maladie ou elle est anorexie. Ok? Et anorexie, c'est que manger son monde qui a un problème avec boisson, les boire et puis il perd le réflexe en matière de yeux, pipi, les la bagaille. Comment ça? Maladie, ça tellement développé la caille. Monsieur, pas une dimension pour comprendre bien ça. Parce que, en pile, non, nous, pas comprendre, on sait des bagailles. Pendant que monsieur a su bagaille là, monsieur va le découvrir en bagaille. Pour hypnotiser, dame, non, qui ça a fait, il neutraliser conscience. C'est gros, vous entendez, moi, bien. Il neutraliser conscience. Son mot pour apprendre, pour écrire en bas, la neutralisation de la conscience. Yo neutraliser conscience mazé. Pendant yo neutraliser conscience mazé, yo en même temps tout, yo neutraliser conscience, y'a posé mazé question, pendant qu'on s'est neutralisé, et puis mazé a répondu. La question fondamentale, c'est que question y'a posé mazé, yo mazé pas conscient, mais la répondre question. Faites attention. Maintenant, le problème qui est posé là, qui est-ce qui a répondu à une question? Parce que moi, je n'ai pas conscient. Parce que la conscience, sa conscience est neutralisée. Maintenant, vous commencez à découvrir une série de bagailles, je n'ai pas dit. Je n'ai pas mis d'ailleurs une série de souvenirs traumatisants que je connais, que je vis dès son enfance. L'a dit une série de bagailles qui t'est passé dès son enfance. L'a libéré une série de expériences qu'elle t'a fait, qu'elle t'a quimbé en dedans, il t'a refoulé dans son inconscient. Il t'a refoulé, yo, mais c'est ça, et puis qu'on y a la plagué, mais pas conscient. C'est ça, faut pas dire, lorsque l'inconscient devient conscient, son état mental s'améliore. Pour qui raison? L'inconscient a répondu à la question, yo. Et gogozé. Parce que l'ordi, faites attention, l'ordi, je suis un être conscient, être un être conscient, dans la dimension psychanalytique, il voulait dire, neutralisation de l'inconscient. L'ordi, c'est un monde qui est conscient, c'est doudou, neutraliser l'inconscient, oui. C'est ce qu'on voulait dire, oui, l'inconscient. Là, c'est-à-dire l'inconscient, le siège des désirs refoulés, le siège des besoins et sensuels, yo neutralisé. C'est-à-dire, ou refouler, ou mettez-le au niveau des interdits. Ou interdit à l'inconscient, c'est-à-dire, de ce désir pour manifester. Ou pas, l'importance de l'éducation. Il a fait fouet par l'esprit qui est tout phénomène. Donc, pour comprendre, dynamique, ça. Maintenant, les mondes, j'ai retourné à l'état de veille. Les dénaturalisés consciencement. Yo, ouais, manger pour un titan, manger vie normale. Manger prend boisson la brée. Eh, gogo, ça? Manger prend boisson la brée. Manger vine à l'aise. Mais pour un titan. Maintenant, Freud, à partir de l'expérience, ça, Freud pral créer une autre méthode thérapeutique que la psychanalyse. Maintenant, vous comprenez bien. Maintenant, objectif psychanalyste d'après Freud, dans la théorie freudienne, lui visait pour briser les résistances de la conscience. C'est-à-dire que, pour améliorer le mental, méthode psychanalyste dans lui-même, lui visait pour briser résistance conscience. C'est-à-dire pour permettre à ce que conscience entrer en harmonie avec les consciences. C'est la quête de l'harmonie. Parce que,
Ça, Freud vient nous remarquer. Freud vient nous remarquer que l'homme, le sujet est toujours un être brisé, fragmenté. L'homme est fragmenté. Oui, l'homme est fragmenté. C'est ça que l'homme complexe. L'homme est fragmenté. Il y a des démons avec des dieux et des anges qui bataillent à l'intérieur de l'homme. Le sujet est fragmenté. Le sujet est déchiré. Le sujet est humain. C'est gorosé. Il est fragmenté. C'est-à-dire qu'il n'est pas en harmonie. Il n'est pas en harmonie avec tête. Il est fragmenté. Maintenant, vous savez, la vie psychique au monde, c'est important. Freud Pral mettre ça en valeur. Yon nan bagay que Freud Pral essaye de mettre un rapport dans la question trouble mental que moun genye dans la vie psychique moun. C'est une notion clé que Freud Pral vient avec lui, la sexualité ou bien le libido. La sexualité ou bien le libido, Freud Pral faites attention. Freud Pral redéfinit ou bien il Pral extend notion sexualité. Vous voyez, à l'époque, la raison et l'église, t'es qu'on restreint question sexualité. Et question sexualité, c'est bagay qui était sujet qui a rapport avec sexualité, c'était bagay qui était interdit des tabous. Comprenez bien, ça veut dire. L'église, la morale religieuse, la morale, la raison, le bon sens, t'es qu'on reprend mais question ça. Bien que, alors, la bonne clé sous ça. Bien que dans l'Antiquité grecque, t'es gagné un élément, t'es gagné un philosophe, t'es gagné et Diogène qui t'es gagné à commencer avec dynamique, ça pour choquer, et morale, et philosophe athénien. Yo, on la morale rationnelle. Faut comprendre bien, oui, faites attention, hein. Et gogozé. Faut pas arriver là, et puis faut pas traiter la sexualité, il pas extendre, il pas élargir le concept là, il pas prendre contenu, il pas couvrir non temps beaucoup plus large. Qu'on y a pas, il pas traiter question sexe là avec zozo coco bobot non, il pas aller plus loin, il pas définir sexualité avec le libido comme tout contact corps fait. Attendez, mais comment on s'est défini sexualité comme tout contact que corps fait avec corps l'autre monde ou bien avec propre pâle propre corps pour le satisfaire, dans le but de satisfaire des besoins sensuels. Ça veut dire. C'est vrai, l'on a coqué en femme. C'est Zozo qui entre dans Zozo. Bouche ou, contre avec un bouche moun, ou senti bon échange. Oui, bon niveau de sensualité, l'on a bon femme. Le fou est Zozo dans le monde en femme, il y a un niveau de sensualité. C'est-à-dire, c'est. Maintenant, c'est ça, nous t'es limité. Si point tété, là nous parlons de sexualité, nous te connaître point tété, nous te connaître bobot, nous te connaître et langue, nous te connaître beau, main point tété, main bobot. Monsieur dit non. C'est pas seulement sa sexualité. Monsieur dit c'est pas seulement sa sexualité. En réalité, le fouille langue dans bouche femme ou bol, avec l'homme main point tété, avec les femmes dans l'homme fouille zozo dans moudal, c'est d'ailleurs une sensation. D'où l'importance du besoin sensationnel. C'est d'ailleurs une sensation. Que Walder, besoin sensuel, satisfait. Mais ça dit non. En réalité, tout contact que corps a fait avec l'autre corps et avec même propre tête pâle, il aller au-delà des conceptions et définitions restrictives que nous gagnons de sexe là. Là, aller plus loin. Il dit que même yon petit monde, il y a des désirs sensuels, lui-même, il est sexuel. Il parle parler de la sexualité de l'enfance, de l'enfant. Il parle parler de sexualité du nourrice. Ça monsieur voulait dire. Il dit, l'eau est si moun nan, a tété maman. C'est pas seulement question pour le grand goût, non? Pour le satisfaire le grand goût, non? Si moun nan, par ce qu'on appelle un besoin de sécurité. T'en as bien? Besoin de sécurité et besoin d'amour, l'utiliser contact. Lève-li, l'anglais, après de la société, déjà, li senti, li satisfait besoin, ça, besoin affectif, là. Et Bokoze, l'a dit. Maintenant, il dit, faut comprendre mieux, si ou interrompt processus, ça, si ou interrompt processus, ça, brut, sous Timounza, automatiquement, désir n'a pas satisfait complètement, besoin ça n'a pas satisfait complètement, désir affectif, non, il a pas créé ce qu'on appelle un trouble à Haïti, non. Oui. Il va chercher l'autre côté.
Il va le derrière, satisfait, on le connaît, parce que lui part complet, lui part satisfait, lui part arrivé pour le complet. Maintenant, il dit, là où on t'y moune tout, après droite, lui, la passé, la main, ou toujours on t'y moune, on t'y bébé fait. Les petits bébés a fait pour toujours, ou elle, la main est pénible. C'est normal. Ce sont des comportements normaux de l'enfant. C'est la sexualité de l'enfance. L'a découvert colle, l'a à travers des sensations. C'est découvert, l'a découvert colle à travers des sensations. La main est un petit pigeon, l'a fini retirer et l'ingette la souris, et pour elle lever deux pieds dans l'air, la main est un petit pigeon. Oui, c'est sensation, l'a cherché. L'a cherché feeling, la satisfaction, besoin de découvrir. Les conseils de besoin et sensuel que l'a cherché découvrir, l'a découvert colle. Ou bien, si mon nagui doit arrêter ou elle a joué dans Zorelli, c'est ça, l'a cherché. Les dimensions affectives, la qu'a mon nan. Mais la graisse antique, terrain, les bagages, ça y est, pathos. C'est ça que l'on parle de affectivité. Dans la graisse, je te considère comme pathos. Parce que la graisse t'a promoté. Ça aurait été l'homme courageux. Mais on pas mettre l'accent sur l'affectif. Parce que le courage était attribué avec l'homme. Et comment aurait l'homme qui était, on n'est pas de crier, il n'est pas de montrer émotion. C'est la culture grecque et romaine. Il faut strong. Parce que ça, si vous n'allez pas considérer ça, parce que vous t'es combattre. Vous t'es entré dans dynamique pour vous combattre. Ce qu'on appelle le pathos. C'est ça que vous le pathos. Et c'est ça que nous, une pathologie, une connotation péjorative. Pathos, pas vous dit péjorative. Pathos, pathologie, pas vous dit péjorative, non? Pathos, c'est vous dit affective, émotion. Émotion et affective, c'est siècle de l'énergie. Sans émotion, c'est affectivité, ou pas, on est humain. Et go, posez ma ça, dis-nous, un bail qui débarque, bagaille, ou pas là? Anyway. Mon autre bagaille. Alors, l'aime pas les deux dieux, hein. L'aime parler de Dieu, hein, dans bon langage grec, l'aime parler de trois concepts, ça, yo. En réalité, m'parler de théos, m'parler de théos, m'parler de logos, et puis m'parler de, inconscience, et le pathos, là, dans le grec. Le pathos, c'est le ciel de l'affectivité. C'est le pathos, psychique. Ouais, le psychique humain, l'état mental. Bagay, ça, yo, c'est bagay, yo. En réalité, il faut bien maîtriser la pensée grecque, et pour bien maîtriser la pensée hébraïque, pour comprendre ça, parce que m'balmoutre au pidé, avant que le, ça, Sigmund Freud, relé inconscient dans le monde mystique, c'est lui-même que vaudou a maîtrisé. Et gros, c'est ma balle, qui dépasse nous, là. Ça nous relé loi en haïtien, c'est dans l'inconscient, nous, le chita. Ça relé loi, c'est dans l'inconscient, lui travaille. C'est le siège des désirs, qui a fait les lois après, ils ont associé dynamique. C'est ça que nous associons avec le sexe. Le dieu créateur du vaudou, c'est ça où est le serpent. Et là, le serpent, vous considérez comme, ou un zozo a fait un serpent. C'est le libido, les désirs sexuels. Nous, on va comprendre bagage au pidé, pour l'instant, pour laisser conseiller des bagages, bagages montrer nous. Mais c'est ça fait une dynamique mystique, là, où pralouer qu'est-ce que, si elle s'en a côté désir, le refoulé, automatiquement, ou pralouer, là, faut imaginer un monde. Léon fait magie dans le monde où, en Haïti, loi, premier côté, là, derrière réveillé, la lance, là, dans les conscients, là, derrière des désirs négatifs, là, derrière une série de bagailles dans le passé, ou, ok, quand on t'est traumatisé pour l'attaquer, ou. C'est ça, on l'a réveillé, ou. Pour arriver là, premier bagaille pour le faire, bah, nous, très, nous, dynamique, hein. Pour nous arriver là, pour réveiller inconscient, pour le bas inconscient énergie, pour l'ouvrir porte, pour inconscient monter sur, fait surface. C'est ça, loi, après, fait, oui. Si elle, yo, dans la langue religieuse, elle est au démon. Ah oui. Ça m'a, fait, loi, m'a parlé des petits bullshit, loi, yo. N'est-ce pas, y'a demandé, oh, la voilà, comment faire jouer? Comment faire jouer à Zili? Non, on connaît son petit loi salié. Ah non, on connaît son petit bagage salié. Ça m'a bon, là, on connaît, on connaît le chita, on connaît le siège, yo. Alors, dans le langage biblique, il y aurait Léo, l'apôtre Paul, les conscients, les lieux célestes. Ah oui, les conscients, l'apôtre Paul, les lieux célestes. C'est le siège des démons. C'est le lieu où habitent les démons. C'est les conscients. Ah oui, faut nous comprendre ça. C'est ça que l'apôtre Paul parlait de trois cieux. Lui, monter jusqu'au troisième ciel. Troisième ciel, là, qui ça? C'est le surmoi. C'est là où réside Dieu. C'est là l'apôtre Jean est entré. En présence. C'est là, ange, t'es prêt à te mener l'apôtre Paul dans l'Apocalypse.
Maintenant, il y a le siège. C'est, il y a le deuxième siège qui est le siège de la conscience. C'est le logos. C'est la philosophie grecque. C'est le règne de la pensée. C'est la raison. C'est le logos. Et premier siège à lui-même, c'est le lieu céleste. Le lieu céleste, en réalité, il est dominé par les astres. Vous comprenez le mouvement des astres. C'est ça fait l'astrologie, divination, toute bagaille. Ça c'est bagaille tête chargée. Ça c'est bagaille pour montrer que ou pas ouais que ou pas qu'à faire appel avec siège ça est conscient pour créer tout mental la caille moun. C'est ça fait depuis moun, depuis on fait bagaille mystique d'ailleurs, premier côté ou attaquer ce système nerveux qui c'est siège. Bagaille ça c'est bagaille m'a supposé, m'a supposé dire non, il pas classe moi. C'est bagaille moi enseigner dans classe. Karine, quand même, ma ban, ti crasse là, dedans vous comprenez, à faire, ouais, vaut, ou bullshit. M'a pas calambé ça. T'as fait, l'on va le garder. Et l'on va le garder, d'embala. Ou pas, symbole. Ou pas, ouais, ça, ouais, les VV d'embala. Ou pas, les VV d'embala. Ou pas, ouais, c'est des serpents. C'est des serpents qui croisent ensemble, direction vers l'Europe. C'est normal, c'est l'ADN. C'est l'ADN, et qui croisé, c'est le système nerveux, colonne vertébrale, ou, c'est ça lié, c'est ça pour le croisement, avec les deux lobes qui mettaient là. C'est ça, c'est la faire attribuer une sorte de sagesse avec Dieu serpent. C'est là, c'est l'Égypte antique qui t'a vénéré le serpent. C'est l'Égypte. C'est, faut comprendre, magasin, pour ne pas quitter mon abîme, jouer avec nous. C'est ça fait, dans la Bible, mon Dieu dit toujours, puis gars, nous descendre en Égypte. Comprendre-moi. Moi, avait dit descendre en Égypte. L'Égypte, c'était l'inconscient. C'était le siège de l'inconscient. Il était symbolisé le règne des forces ténébreuses. C'est ça qu'il dit, moi, puis quoi, descendre en Égypte. Descendre en Égypte, puis quoi, descendre dans l'inconscient. Maintenant, l'homme dit la traversée de la mer pour entrer dans le désert. Traversée de la mer, là, qui est le baptême, ou passer de l'inconscient à la conscience. Mais pour passer de l'inconscience à la conscience, faut mourir à l'inconscient pour entrer dans la conscience. Et la conscience en lui-même, c'est une étape d'initiation. C'est une étape d'initiation pour entrer dans la conscience. C'est ce qu'on appelle le désert. Parce que pour entrer dans la dynamique de la raison, au bon sens, le logos, faut nous comprendre bien, t'aimes dis-nous bien, pour nous comprendre bien. En réalité, la Bible présentait trois dimensions, bah, nous. L'Égypte, c'est l'inconscient. Le désert, c'est la conscience. Et, Canaan, c'est ce qu'on appelle le surmoi. C'est le Dieu. C'est là où coule le lait et le miel. De façon métaphorique, l'on parlait de l'Égypte ou parlait de l'inconscient. C'est là où, c'est le règne des animaux. C'est là, c'est ce qu'on appelle la zoo, c'est la zoo et religion, c'est la religion des animaux. Vous comprenez bien, toute représentation qui fait, c'est représentation et reptile, c'est-à-dire c'est bête qui régnait là. Vous comprenez bien, oui? Alors que dans le désert, c'est la découverte de soi, c'est la quête de soi, c'est la quête du moi, c'est la quête de la conscience. C'est dans le désert qu'on vient préconscient. C'est à travers le désert qu'on commence à découvrir, non seulement à dépouiller de toute crasse inconsciente, mais aussi où entraîne une dynamique de préparatif. Le désert est aussi au préparatif, la conscience est aussi préparative vers le surmoi. Faut préparer pour entrer. Mais pour entrer dans le surmoi, dans le royaume de Dieu, dans le Canaan céleste, il faut que ou batte une série de bagages dans la conscience. La conscience lui-même il y a des problèmes par faut aborder problèmes ça. C'est ça fait où nous tomber. C'est ça qu'on appelle le chute de l'homme. Là dit que ça l'homme chute et tombé. Non, là dit l'homme chute, son siège lui qui est tombé en bas. Et dans l'inconscient, oui, l'homme tombé. Vous c'est des bagages m'a dit nous pour l'instant. Et où le serpent vient il forcer l'homme faut comprendre bagage ça. C'est apprendre comme ça. Ouais. Tu veux expliquer nous bien pour nous comprendre plus bien pour nous. Vous c'est des bagages m'a expliquer nous pour nous comprendre. Ça fait là on a parlé de vaudou ceci. Pour quelle raison vaudou est aussi fort? C'est parce que le peuple haïtien est exposé à son inconscient. La vie dans l'inconscient. C'est-à-dire pour lui vivre dans la conscience, faut l'exposer à une éducation. C'est peut-être ça 90% peuple haïtien qui par contre lit pas qu'on écrit, il a fonctionné dans l'inconscient. C'est ça fait yo manipulable, des violences, c'est ça fait yo dans loi, yo dans culture la bébéné dans l'inconscient. Il a dominé.
Parce que pour qu'on arrive dans la conscience, pour arriver dans la conscience, atteindre une dimension consciente de réalité, c'est ça que fait Milati au Libanais qui a domino. C'est ça que fait Blanc qui a domino. Pour qui raison? Parce qu'on peut arriver dans le niveau conscience. La raison, le logos, ou pour qu'on arrive là. Ou dans le stade primaire toujours, ou dans l'Égypte toujours. Maintenant, l'arrivée, pour arriver là. Éducateur, la fois, je n'ai pas qui vient libéraux, c'est l'éducation. Faut que le monde qui porte la lumière pour vous, pour venir retirer en Égypte. Libérateur, ça pour venir retirer en Égypte. Faites attention. C'est même bagage ça. Qu'est-ce que vous avez dit, nous, là? Pour que le monde retire, premier réflexe, faut tuer là, hein? Oui, faut tuer. Parce que le monde n'a pas confronté. Libérateur, la fois, qu'on confronte l'Égypte. Mais libérateur, la bagage vient comme ça, non? C'est que c'est pas un Dieu de vous, il. C'est que le pas sorti en l'air. Et c'est ça qui explique le phénomène là. Et c'est ça le problème nous là. Mais pas, c'est pas inconscient qui vraiment problème. N'est pas l'Égypte notre problème là. Et là tout problème là. C'est ça l'Égypte représente à problème là. C'est la représentation de l'Égypte. Avant où on a pu parler de l'Égypte, on a l'ignorant. Le culte, la région, la religion égyptienne, c'est le culte des reptiles. Et alors, on a le monde ignorant. C'est l'ignorance. C'est le plus mauvais bagage du monde. Ou pas même pression pour étudier l'Égypte en termes de représentation symbolique. Qui ça le représentait? Et puis, ah oui, vous êtes qui maintenant était si, vous êtes là, il a fait caca. Non, par contre, chier. Allez, les lois. Sortant de en Haïti, nous les lois, nous sommes dans le petit mounioye. C'est petit bébé, oui. Et petit mounioye. Loi, c'est petit mounioye. C'est ça que ces désirs, oui, fonctionnent. C'est là où satisfait désir, oui. Ce sont des enfants. C'est ça que loi, c'est commando, oui. Toute loi a besoin d'attention. C'est l'esprit maléfique, même. L'esprit luciférien, c'est ça le besoin d'attention. Vrai problème conflit qui te gagne, hein. C'est un conflit d'attention. Hein. C'est un conflit d'attention. Parce que Lucifer, en quelque sorte, t'aimes parler de Lucifer. Lucifer, il a besoin de reconnaissance, il a besoin de l'amour. Il a besoin de remède. Ah oui, c'est ça Lucifer. Lucifer, c'est un monde qui a besoin de reconnaissance. Il est prêt pour faire n'importe bagaille pour reconnaître. Lucifer a besoin de reconnaissance. Lucifer a besoin de l'amour. Il est prêt pour faire n'importe caca pour y avoir l'amour. C'est tout rêve Lucifer, c'est ça. Hein? Tout objectif Lucifer, c'est ça. Hein? Reconnaissance. Oui? C'est ça fait que des fois, l'homme m'abdou. Ou mettre malade, pigor, bah, gloire à Lucifer. Nous, c'est sérieux, c'est pas. Comment ça m'abdou, là? Hein? On dit l'homme malade. Pigor dit, c'est Jack Cafour. Debout dit, c'est Jack Cafour. C'est qu'on attribue une certaine reconnaissance, notre diable là. Qu'on a vu une sortie, l'on bagaille, la balle continue formelle, pas occupé qu'à l'homme, l'homme malade, c'est Dieu pour glorifier, pas occupé, c'est des reconnaissances, son petit raté, lié, Lucifer, c'est un raté, et après, il y a Lucifer a péché, péché Lucifer, me dit qui ça, le péché de Lucifer, me dit qu'il a raté son but, but Lucifer, c'était, retenant Dieu, lui, servir Dieu, lui raté, lui, c'est ça le premier péché. Jusqu'à ce que l'iniquité a été retrouvée en toi. C'était quoi l'iniquité? L'iniquité qui t'est retrouvée là, qu'à Lucifer, c'est ton dérive. C'est-à-dire que, il y a un déplacement qui fait, il y a une corruption qui fait vis-à-vis de position, vis-à-vis de mission. C'est une corruption. C'est ça, péché allié. C'est-à-dire, raison que bon Dieu t'a établi Lucifer, les jeunes missions à faire leur bagage, à planifier leur bagage. Les analyses, monsieur, bon Dieu font psychanalyse de Lucifer, lui, ouais, monsieur, besoin de reconnaissance. Mais bon Dieu reconnaît lui. Mais le besoin plus reconnaissance. Lui, besoin mais, qu'on a monsieur trouvé dans situation. Là, Lucifer, lui, trouvé dans situation, la première chose qu'il fait, lui, besoin, vite dans l'autre monde. Et puis, automatiquement, il commence à bouiller l'autre monde, mais n'est-ce pas? This is the thing, en pile, monde va comprendre. Et c'est qu'être ça, monsieur, bien, monsieur, des besoins de reconnaissance. Monsieur, besoin de reconnaissance. Et sous, bal, connaît reconnaissance ou caca. Et toi, on parle petit, loi, j'ai le bord qui est. Là, on parle de petit, on connaît petit, mon yoé. Bon, bal, bah, nous, exemple bien. On connaît petit, mon yoé. On connaît ce petit, mon yoé, ça, le bizarre. Petit bébé, toute loi nette, petit, mon yoé.
Mal bon exemple, l'on loi pour un petit pour moun li la gueule la tête la poule la tête. C'est timoun oui. C'est timoun l'a pas ba timoun on bagaille vil rouler la tête. C'est ti bébé sur le comportement loi moi. C'est ti bébé l'a pas ballon bagaille. Li ou dit le ti bébé a non et vil rouler la tête. Le comportement vaudois, c'est automatique. L'oué loi après moun nan la fait moun nan roule à terre. C'est l'isotomatique, c'est bébé. L'oué pas ballon bagay ou dit non et puis la roule à terre. C'est comportement loi ça. L'enquête de reconnaissance. L'oué l'albé nan de l'eau senti. L'ipre moun yon l'bé nan de l'eau senti. C'est exactement ça lié. Ça n'a voulait dire l'albé nan de l'eau. Et pas ti moun nou kon wè kap joué nan la boue. C'est ti moun ki joué nan la boue. Mais ça, dans pile bagay nou pa, c'est ti moun ki joue dans la boue. C'est le toute loi en dedans pays d'Haïti dans vodou c'est l'enfantillage, c'est bébé oui. Et des bagay nou pa ka comprendre pour l'instant, des bagay, c'est bagay. Raison qui fait. Tenez bien, il a fait en pile dans nous nous pas comprendre une série de bagay. Dans pile dans nous question conflit cosmique nous pas connaître. Nous va maîtriser. Nous va maîtriser, nous va connaître. C'est une plus grand problème qui vient. Comment voulez ou sont c'est ça que nous pas qu'on comprendre Magodei. Et après nous pas comprendre Magodei ni Zoé. Et après nous pas qu'on comprendre qui puissance qui vient dans l'évangile. Nous quitter des trois nègres avec des trois lois qui fait caca. Où est loi? Loi sont bêtes avec lui. Pour qui raison pour ça ou lui met baleine. Les tibes, les outils, mon petit, m'balbon secret. M'balbon secret. L'oli, mais m'bal, les tibes, mon petit, depuis l'ouel ligné, depuis tibes, mon ouel ligné, li couille à la donne. C'est le stade de l'enfant. C'est l'enfantillage. Depuis tibes, mon nan petit, l'ouel bagay qui clairait le couille à la donne. C'est loi, lui, comme ça. C'est loi, qui comme ça. C'est esprit loi. Li pas même, en fait, bon relation ti moun nan fait avec loi, avec li développer loi, développer avec baleine. Guys, y a des bagay mbaka. Y a des bagay. Y a des bagay si mal dit nous, si me dit nous le dépasse entendement nous besoin libérer quand tout pep, y a des bagay nous beaucoup maîtriser. Y a des bagay nous beaucoup maîtriser, y a des bagay maladie. Il y a des bagages magadis nous. Ou pas ouais haïtien perdit. Nous dit nous ça déjà c'est parce que haïtien pas une bonne anthropologie, nous perdit, nous enfoiré. Il faut faire une psychanalyse de la culture haïtienne. En pile non nous pas comprendre ça. Nous ti moun. Comment voulez-on nèg pour un mouchoir, un objet, li mettre dans poche li et puis li dit la côté. C'est un gros problème. C'est un gros problème. Parce que nèg la li même, li pas vrai, yo pas vraiment étudié phénomène ça. Travail yo fait. Yo pas kon tête yo. Parce que en réalité, gen des bagages ou pas supposé à le mettre à la base, ça c'est bébé oui. On va ba nou exemple. Gen esprit, bon esprit sur un petit moun. Ouais. Disciple yo, vin ko Dieu, Jésus monte en l'air, yo vin ko Dieu dit. Quand y a papa amène un petit petit qui toujours tombe, fait caca, on explique à Medel. Et puis, Jésus descend, saute en l'air, et puis, il parle, fait nous, qui pensez, yo, yo, li Bible, yo, c'est Bible. Yo, pas, c'est parabole, c'est parabole. Parabole, pas parabole, non? La Bible, pas littéraire, seulement, non? Bébé, si, nous prenons la Bible de façon littérale. Après, nous, après, que des bagages, nous pas comprendre, nous prenons la Bible seulement simple. Il faut l'esprit de Dieu pour éclairer, oui, sous sale, message qui cache des Bibles. Dimension qui cache des Bibles. Bible analogique, tout. On gosse des bagages, faut me comprendre dans l'univers, là. Jésus en y descend. On va le montrer, nous. Jésus en y descend. Et puis, premier bagage, ti démon, en fait, dans ti moun, dans le tombé, la gueule à terre. Il besoin attention. L'idée a impressionné Jésus, la gueule à terre. Jésus, puis intelligent, le connaissant, il connaît son petit esprit, besoin faire caca. Qui besoin attention. Jésus traverse, petit, là. Jésus va occuper la terre à captimer. Jésus traverse, elle. Attention, le connaît le besoin. C'est ce qu'on appelle l'autorité. Léon dit qu'on a plein après ma 400 fait. C'est l'autorité qui exerce sur lui. Il y a des bagages qui nous. Il y a des bagages qui nous pour qui raison.
Bagay sa ou depase. Kou se de bagay. Foy nan klas pou ye pou met pou mbe espire. Bagay sa ou bagay di. Jezu travesse le ti moun nan la kote papa ti moun nan. Met nou pral komprenne sa sa vle di. Gen yon pil nan nou chita l'eglise. Paste a preche sou sa. Pour moi, Jésus fait traverser petit là, l'alcool papa. Pas de passé, pas de passé d'étudier théologie, car d'où vous qui raison Jésus à l'alcool papa, non? Et la problème, nous y pas de passé, qui qu'a d'où, n'a qu'à d'où l'étudier théologie, pas qu'à d'où vous qui raison Jésus traverse petit là, et puis l'alcool papa. L'équité timoun a chimé à terre. Et, il va dire papa, une seule parole. Et puis papa va dire, Jésus, pardonne-moi mon incrédulité. Il va, regardez. Jésus va dire papa, depuis qu'il est, Jésus va dire papa seulement, depuis qu'il est petit ou roi. Attendez, Jésus va dire papa, depuis qu'il est petit ou roi comme ça. Jésus va dire, Jésus va ni accuser, Jésus va dire rien. C'est question pour comprendre. C'est question pour comprendre. Qui s'est caché dans la question Jésus, hein? Il va apprendre ça dans la théologie. Qui est-ce qui va l'apprendre nous dans le monde? C'est révélation, pas qu'à ça, oui. Apprendre une fucking théologie. Ah, on a le vieux pasteur Bouddha chiré, pourquoi pas étudier théologie? Parole, question, ça, Jésus, bah, formulé, bah, papa. Guénèque, théologie, cadeau, ça, Jésus dit, ah. Jésus dit, papa, comment? Depuis qui les petits tout là? Petit tout là, comme ça. Et puis, papa, pas même répondre Jésus, question, papa, qui va comprendre ça, Jésus dit là? Il dit, Jésus, pardonne-moi mon incrédulité. Papa a demandé bon Dieu pardon d'abord pour petite la grande guérison. Qui est-ce qui a autorité sur petite là? C'est l'autorité familiale. Jésus respecte l'autorité familiale. Jésus parle tout, il guérit tout le monde, non? Jésus respecte l'autorité familiale. Parce que démon qui entre sur tout le monde, non? Il était venu dans trou, car papa qui vient entrer sur petite là. C'est papa responsable de petit là. Jésus a traversé papa la goutte. Papa, petit là la goutte papa. C'est l'autorité parentale. Ça me le dit pas là. Pas de monde qui a entré la caille. Non, vous, 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 pas de monde qui a entré dans la caille. Vine faire salver si. Monde qui est en charge d'autorité en dedans la caille là. Pas bail passage. C'est ça où il est passage, oui. Dans le langage mystique, où il est passage. Jésus m'a dit passage d'abord. Mais pour un passage, bon travail de reconnaissance qui suppose faire. Bon travail pour m'en dire pardon. Faut pas mettre en conformité d'abord avec Dieu pour Dieu agir. Il faut que le Père, qui est l'autorité, mette en conformité. Parce que, il y a des bagages maradis, non? Il y a des bagages maradis, non? Oh, ouais. Quel est bagage si me dit nous là? Quand j'ai hâte ma part. Parce que Jésus pas qu'à intervenir dans le cas ça. Si il n'est pas en conformité avec l'autorité parentale. Parce que Jésus respectait l'hierarchie. Dans le coup de papa, papa rend ni compte de ça. Papa reconnaît l'était fort en relation avec Dieu. Papa a dit, pardonne-moi mon incrédulité. Et puis Jésus tourné. Maintenant, j'ai une autorité. Dieu, j'ai une autorité. Parce que papa a vu une conformité avec Dieu. Quand il y a Jésus venu, il va le faire mes portes là. Et puis Jésus retourné sur Timon, et puis il chassait des morts. Tout d'abord, avant Jésus intervenu, Jésus rétablit papa dans l'autorité. Il faut restaurer l'autorité là où l'autorité est dit. Hey, la problème non, en Haïti. Son nation est crinouillé. Son nation est chargée. Ah oui? Il restaure l'autorité côté l'autorité est dit. Et pour l'autorité, il faut une légitimité. Papa reconnaître il faut quoi? Jésus pardonné, automatiquement, autorité papa a restauré, et puis, Jésus joue une latitude pour l'intervenir dans le cas. Et vous causez. Qu'on ait enseigné sans autorité,
qu'on gagne délivrance sans autorité. Pour délivrer, il faut manifester de l'autorité. Pour commander, il faut manifester l'autorité, il faut une autorité, mais il faut une autorité légitime. Il faut une autorité légitime, oui, légale, oui, en conformité avec la volonté de Dieu. C'est ça l'autorité. Et Chita qui fait caca nous, qui te désir sexuel nous, désir, nous qui te loi, à vivre avec nous, loi gâte et bobot nous, et puis nous pensons que nous avons une campée dans la fille qui nous a lancé. Ça va le grand-père. Je ne sais pas si je parle, les gens qui ne comprennent pas. Moi-même, je suis opéré dans trois niveaux celle-là. Je suis opéré dans le sur-moi, je suis opéré dans le moi, je suis opéré dans l'inconscient. Très agile. Vous comprenez pour quelle raison? Parce que, je ne sais pas si je parle. Jésus dit, l'apôtre Paul dit, les gens qui montent dans celle-là, il n'est que celui qui est descendu du ciel et qui descend dans les lieux. Dans les régions, dans les régions en bas terre. Ça le dit là. C'est dans l'inconscient où Jésus descend. La mort, c'est quoi? La mort, c'est ça. C'est le passage de la conscience à l'inconscient. Ou pas conscient. Vous venez tomber dans l'inconscient. Elle a dit au niveau mental, au niveau psychique ou vivant. Ça sont l'autre dimension. Et c'est ça qui fait où les nègres font mystique. Premier bagage, devoir faire les attaques là. De vous frapper mystiquement, c'est le système nerveux qui attaque d'abord. Vous perdez balance, vous perdez équilibre. Ça veut dire vous perdez balance, vous perdez équilibre. Ça, c'est une dimension kabbalistique qui est la donne. So, ou même qui ne comprend pas, maintenant, il y a ésotérique. Parce qu'il faut bien étudier Kalion pour bien comprendre dynamique ça. Faut qu'on bonne psychanalyse pour comprendre dimension ésotérique, on va le traiter avant là. Faut étudier Dostoïevski pour comprendre dimension ésotérique là. Pour comprendre ça, ça veut dire, on sait des bagailles. Faut étudier les civilisations anciennes pour comprendre dynamique ésotérique là. Le kabbaliste juif. La Bible donc dimension kabbaliste là dedans. La Bible donc dimension kabbaliste là dedans, mais ou même, ou pas exposé avec, ou pas comprendre ni. Mais, faut qu'on joue pour comprendre. Faut qu'on joue pour comprendre ni. Eh, gâchit, à la bine dit, Chris. Ou pas qu'on dit, Chrisier. Eh, la bine parle, oui, au bon Jésus blanc. Imbécile qui vous dit ça. Jésus blanc, eh, la pile, moun, pas comprendre. Ou pas qu'on t'avait dit, Chris, ou pas qu'on t'avait dit, la quoi? Eh, mais, retirez quoi dans vos doigts, non, ça, alors? Retirez quoi dans vos doigts? On a bien, là, dans les carrés, nous, y est. Bah, on samedi, bah, on sait si, retirez quoi dans vos doigts? On a Jésus campé, dit comme ça. Hein? Il dit, les portes de la mort ne prévaudront point sur elle contre l'église. Ça veut dire contre l'église. Nous, par contre, dans la vie, les portes de la mort. On pensait que, ou pensait que démon, par contre, pas reconnaître la mort, Jésus à la résurrection, ou fou. T'es tout bâclé. Pour y'en avoir d'où on pense qu'il y a dans le cimetière. Pour qu'ils soient compris, c'est qu'il y a un baron samedi, qu'il y a un baron et criminel. Pour qu'ils soient compris, ça. Non, on a le monde fournouillé. Si on a le monde fournouillé, nous ne comprenons rien dans le rituel. Pour qu'ils soient compris, pour qu'ils soient compris, allez, retirez quoi, et puis mettez-y l'autre bagaille. Retirez quoi? Où est-ce que vous avez pris le retirez le métal. Maintenant, le problème qui vient, dans la culture vaudou, hein, là où vous mettez quoi, c'est la dominance de la mort. Comment? C'est la dominance de la mort dans le vaudou. Donc, c'est le cimetière vaudou, c'est la voie dominée, vous mettez la mort. Et là, vous faites aussi des batailles. La dominance de la mort. C'est ça, les portes de la mort. Pour quelle raison? Parce que là, la mort vient. Yo déplacer esprit mort ça yo déplacer yo vous yo d'ailleurs yo pas qu'à nous parce que Christ campé yo get Christ mouri déjà c'est connaître qu'on connaît l'esprit ça a vini de la mort vini yon Christ campé il pas qu'à passer parce que Christ mouri déjà comme vous allez en c'est soit la mort pas entrer côté yo pas connu mon pas la mort pas entrer sous la mort comme la mort pas entrer sous la mort. Bon, Jésus mourit déjà. Jésus connaît et Jésus qui est clé dans moi. Et le problème, non, il est clé. Alors, dans l'imbécile, il a pu parler caca. Là, il a demandé comment la voix.
comme quand on va voir une fille qui mouna avec les bas, voir une fille qui mouna avec saloprio et les ezili dans ton son timoun. Ça c'est comment on commande ça? Ou dit ezili avec nous dans le côté de Chita. Comment on commande ça? Tout timoun nous met des Chita. Des bêtes qui mangent à terre. Là, écoute, ça parle de timoun. C'est vous, vous, ça, Chita. De côté les grands Chita. Côté les grands esprits Chita. Ti démon, ti esprit Bouddha Chita, par exemple, Figimoun. Ti esprit démoniaque, à chercher côté Chita. Par exemple, Figimoun. Non. Bah, il mange à terre, à chercher côté Chita. Non, ah, on va nous conseiller des bagages pour nous. On va nous conseiller des bagages pour nous. On va nous conseiller des bagages pour nous. On va nous quitter pour classe. On va yo, but là on a vu une parole, bon, parce qu'on va pas y venir. Adopté. Représentation des archétypes of the collective consciousness. Ça a moins bizarre, archétype, concept clé, Carl Jung. Bah, c'est intéressant. Mais ben, à qui ça me commande Yazili? M'a dit, à regarder vous aussi Yazili va reconnaître la parole. Il y a un problème nous là. Ouais, même moun ka frappe l'estomac, li ou gen ka fè kaka. Mande Ezili, lèl kwa ja Ezili, mande Ezili, s'il pa reconnaître parole la. Eh, ou, ou, geta konne. On dal moun, son dal moun fou nou ye, nou tellement tête nou chaud. Mande nou bagay. Mande s'il pa reconnaître la puissance de la parole. Y konne nou. Un esprit a découru par l'imédagé nous devant dire. Bon, moi, le bon secret. Vous connaissez même bête par l'esprit de mon entrée dans la tête. Et vous connaissez même bête. Même bête, pas tolérer ça. Par contre, bête, il y a un esprit démoniaque entre la cali pour être vivant. Et puis, tout tire, il m'a dit la mort, bête, la m'a dit la mort. Et vous connaissez même bête. Ça m'a dit pour m'expliquer le plus devant. Par contre, bête. Yon esprit démoniaque entre la kaili pour l'accepter. Yon seul bête qui t'a accepté kakasa. C'est le serpent. Comprenez bien la maladie. Ça me dit, nous on dépassé en demain. C'est après, vous considérez le serpent ancien comme représentation même des forces démoniaques. C'est celle le serpent comme créature qui t'a ouvert porte. Bah, esprit satanique qui fait les albuli comme médium. Il y a des bagailles. Des bagailles, maga. Bah, il y a des classes. So, guys, nous connaissons. Mais nous, en pile. Ok, mais mon gars, une bonne pause, c'est là. Bon, mon cher, c'est un plaisir de avec nous. Nous connaissons moins nous en pile. Je dis nous pas décourager à la vie. Et puis pas jamais. Pas jamais partager gloire bon Dieu à n'importe monde. Ouais. Je sais comment j'ai compris le serpent dans le signe médical. C'est un modèle médical. Faut venir dans la classe pour m'expliquer au bazar. Il va pas m'expliquer par tout le monde. Nous traiter question serpent déjà avec les mots comme signe médical. Le serpent comme signe médical. Ou bien, ou voulez venir, mais, puis les voix, elles comprennent. Le serpent. Quand il y a, ou voilà, aller plus loin. Pour comprendre le serpent comme le comme si médical au parlement des bouquets raison bon Jésus est le serpent qui a été élevé
dans le désert. Il y a des bagages pas comprendre. Il y a des bagages comme ça, antigen immunisé. Oh, ok, d'accord, son femelle, oui, ça, oui. C'est, il y a des bagages comme ça, immunisé d'abord. Pour ta comprendre, ça, ça veut dire, serpent, Dieu éleva. On voit comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi que le fils de l'homme. Maintenant, faut qu'on ça veut dire fils de l'homme, non? Qui différence entre fils de l'homme et fils de Dieu. Là, Jésus dit, de même que Moïse éleva le fils de l'homme, le serpent dans le désert, il faut que le fils de l'homme soit aussi élevé. Maintenant, on peut comprendre qui dynamique qui vient dans le fils de l'homme, non? Pour quelle raison fils de l'homme, non, s'est fait pécher. Dieu s'est fait pécher à travers le fils de l'homme. Il s'est fait pécher pour l'humanité. Maintenant, on va comprendre ça élevé dans le dé, qui ça t'est élevé à, pour la vie. Quand j'ai des bagailles que, ou pas qu'à, pas qu'à expliquer qu'on y a, parce que, je vais l'avoir. Il y a des bagailles, moi, mais non, en pile, pas découragé, I love you guys. So, qui est là, qui est pied Christian, pas découragé, toujours là, avec espoir. So, passez bonne journée, I love you. Qui est là, ciao.